Bienvenue dans Game Plaisir, Yex. Installez-vous confortablement, nous reprenons notre partie de TOTK et on est au début, hein, on est complètement au début. Alors, on cherche à aller sur le point rouge, on est là de s'en rapprocher. Par contre, ce matin, je me rends compte que j'ai oublié de marquer le boss, là. Je sais plus où il était, par là, non? Donc nous, on cherche à aller ici. Donc c'est pas mal. Route minière. Il devait être dans ce coin-là. Parce qu'on a rencontré un boss, mais j'ai oublié de le marquer comme un idiot. Qu'est-ce que c'est, ça? Game over. Ah bah non, il doit être ici. C'est bizarre, ça ressemblait pas à ça, l'endroit, mais... attends, comment je marque? On va mettre... Comment on se déplace, hein? Hop! Voilà. Alors, attends, on est où, nous? Donc là, on avait battu le ver de dune. Ok, alors ensuite... On grimpouille, on grimpouille. Ah, fleur bombe. Meilleur item du jeu pour le moment. J'ai pas de... Tiens, est-ce que sur mon... Ah, j'aurais peut-être dû... Est-ce que tu dois pouvoir mettre une bombe sur ton bouclier? Ça doit te protéger, j'imagine. Par contre, je sais pas si je pose la fleur si elle me pète pas la gueule. Attends, on va peut-être éviter de faire ça en pente. Oh, j'entends un ver de terre là, non? Alors attends. Bah alors justement, si je me souviens bien des trailers à Fifi ou à toi, en fait ça m'avait surpris, mais quand tu fous une bombe sur un bouclier, ça ne te pète pas à la gueule. J'ai pas compris pourquoi en fait, mais dans le trailer, il me semble que c'était le cas. Alors est-ce qu'il faut avoir une résistance par contre, peut-être particulière? Ça vient peut-être de l'armure. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme arme là? Un bouclier, c'est pas ouf. Le bouclier, on en trouve pas beaucoup, hein, comparé aux armes. On va se prendre ça. Ah, il y a un petit bouclier, là. Juste au moment où je dis on en trouve pas beaucoup. Oui, ça, c'est gros bouclier. Attends, je peux l'avancer dans la lugue. Ah, je me suis complètement trompé de bouton. Aïe, fait mal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que... Bah très bien, ça. Hop là. Alors. Ok, on y est. Ah. J'ai voulu. Ah, j'ai mis une petite fleur bombe. Ah, mais il va pas ouvrir la bouche là. Ah, tu peux faire directement touche du haut et ça t'équipe une. Ah, j'ai pas capté ça. Ah, d'accord. Ok, ok. Non, ça c'est... C'est parce que je dois avoir l'arc d'équipé, ouais. Par contre, j'ai plus grand-chose. Attends, faut que je prenne ça. Par contre, j'ai pas de rocher. Est-ce que j'arrive à attraper le rocher là-bas devant, là?
Ok. Non, Ah oui, c'est la grosse arme là que j'ai sortie. D'accord, je vais être lent. Oh, putain, ça a pas touché? T'es sérieux, le jeu? Faut arrêter de fumer, par contre. Hein. Oh là, les hitbox en vacances. Hein. Le coup est parti avant, c'était dessus, ça compte pas toucher. Eh ben. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Merci. Ah, il avait un coffre? Eh ben. Hop là. Petit opale. Et le lance-flamme. C'est vrai que le lance-flamme sur lui, à mon avis, ça doit être bien. Vu que c'est une plante, là. Champi céleste, c'est pour se soigner. Ah. Attends, j'ai l'entrée froide, de toute façon, encore. Contre, mon arme est lourde comme une vache. Hein. Attends, je sais toujours pas où je dois aller. Ah. Alors ok, c'est par là, sauf que je ne peux pas grimper. Est-ce que je peux me faire un truc? Oh, ça va être la merde là. Là, je dois pouvoir grimper là-bas. Oui, alors sauf que... Il faut que je me fasse un pont, en fait, pour grimper ces trucs, non? C'est ça que je vais essayer de me dire. Parce que je vois pas trop... Oui, un truc qui a dévalé là. Ah, fait chier, un mec qui a dévalé. Ah, fait chier, parti super loin en plus. Relou. C'est un vrai menu pause là, quand tu vas là, ouais, tu peux reprendre un truc, le jeu te dit rien. Ça a jamais marché ça, c'est pas assez haut. Avec ma perche là. Oh là. Ça va jamais tenir ça. J'ai nous manque un morceau. Puis aura calé contre le mur, l'enfer. Hein. Je pense pas que ça soit. Luche. Comment je suis censé grimper là? On voit ce que je veux me faire faire.
Ah, faut peut-être que je réussisse à accrocher ça, mais je peux peut-être le coller au bout de bois là-bas. Ça, je peux peut-être faire. Va bien avec moi, toi. Voilà, c'est de pas tomber dans le vide. Il y a l'air d'avoir des nouveaux objets là. Hein, j'ai pas l'impression que je peux. Oh putain, attends, quel enfer. C'est pas hyper maniable leur truc. Hein. Ça manque vraiment. Ça, par contre, tu sens que ça, ils ont vraiment galéré pour le mettre en place. Ouais, c'est. En fait, le souci qu'il y a, c'est pas pour le faire tourner autour de toi, c'est pour le mettre debout. N'importe quel objet que tu essaies de mettre debout, c'est un enfer. C'est une planche ? Non, mais je dois. Non, c'est pas une vraie planche. Ah ! Petit coffre. Oula. C'est éviter de s'assommer avec ça. Alors attends, fais voir si j'essaye de le prendre peut-être par. Est-ce que je peux le coller à ça là? Ouais, on voit rien. Je peux pas le coller là à ça là. j'ai le bout qui est levé là. Attendez, je lève le bout. Ah, et puis alors, ça a une inertie hyper bizarre, parce que je comprends pas pourquoi des fois ça tombe, en fait. Ouais, c'est que ça va super bas, ok, ouais, je peux pas. Ils ont fait en sorte que tu puisses pas... Ouais, tu peux pas le coller. Ah, il y a de l'idée, hein, mais ça tiendra pas. Peut-être réussir à le tenir... On n'est pas si mal que ça dans l'arbre, hein. Qu'est-ce que c'est que cette armature à la con? J'arrive à grimper là-dessus? Ah ouais, non, parce qu'il va avoir le poussé. Si, il arrive... Oh là là. Oh, je sens que c'est... Ah ouais, ça va être infernal. Attends, si je grimpe après l'arbre, peut-être, ce sera peut-être plus simple, non? Putain, par contre, il a les mêmes défauts que son prédécesseur. Hein. La grimpette, elle est vraiment zarbi. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi, des fois, il arrive pas à s'agripper. Tu vois? ça m'a toujours posé un problème dans Breath of the Wild. Ça a pas changé dans ce jeu-là. En fait, tu comprends pas pourquoi il est pas capable de s'agripper, en fait, à ça. Tu vois, là, il devrait aller en haut, quand même. Je veux pas déconner, mais... Tu vois? Bon, bah, tu peux pas. Ouais, ça, c'était déjà le problème dans Breath of the Wild, c'est que... Ouais, là, je peux pas m'agripper. Tu comprends pas, en fait, le jeu est pas très logique en termes de grimpette. Tu comprends pas pourquoi tu peux pas y aller, en fait. Ça a pas de sens au vu du jeu, ça a pas de sens. Ça, il devrait pouvoir grimper, en fait. Y a pas de soucis. Si t'arrives à grimper une montagne, t'arrives à grimper ça, en fait. C'est pour ça que ça, j'ai jamais compris leur délire sur les arbres. Alors, c'est peut-être pas ça que le jeu veut que je fasse, hein. Par contre, je vais t'emmerder. Ah, attends, il y a peut-être un autre passage. Non, pourtant, t'es bien censé faire quelque chose avec ces trucs. Ou alors, il manque quelque chose que j'ai pas trouvé. Je sais pas. Ah, peut-être que je réussisse à me faire un feu là, parce que je vais galérer. Hein. Là, j'ai passé du temps, à mon avis. Ah, attends, ça je peux le saisir là, ce machin? Non. Ok. Bon, attends, on va essayer de se faire un feu déjà. Alors, attends. Fagot de bois. Ah non. Silex.
Bon, c'est toujours le moment critique de poser le silex correctement. On sait jamais s'il y est là. Mon avis un peu loin. Non, ça va. Et attends, normalement j'ai une marmite. Ah, c'est... Casse-toi. Comment je change de... Attends, si je prends un truc comme ça, il va se calmer avec le feu, là. Ok. Par contre, il faut que je prenne un repas. Ah mais attends, ça marche pas ça, tu peux pas la... Ah mais attends, la marmite, elle est mal branlée là. Tu peux pas poser... Je croyais que c'était juste le truc, moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça marche, là? Non, ça a jamais marché, ça. Comment on est censé allumer ce merdier, là? Ah mais c'est marché avec la batterie, je suis con aussi, non? Bon, après, j'ai fait un feu. Non, mais t'es censé la taper, ça... Ça marche avec la batterie, je suis con aussi, c'est moi qui suis débile. En fait, elle est active directement, elle, non? Fais voir si je mets de la merde dedans. J'y ai pas pensé, vas-y, mets un piment, là. Ouais, c'est ça, tu peux cuisiner direct. Ça sert à rien d'allumer un feu quand t'as ça. Tu peux utiliser qu'une fois? Oh, c'est de la chiasse. Attends, et là, ça maintient ma température, là. Oh, quelle diarrhée. Bon, attends. Mais attends, du coup, je peux pas... Attends, mais je peux cuisiner juste en mettant le truc sur le feu, on est d'accord? Si je le prends... Ah bah non, ça va pas faire une recette. Ouah, mais c'est... Ah ouais, c'est particulier, là, leur délire. Bon, attends, il faut que j'essaye de faire de quelque chose avec ça, là. Ah, mais je peux pas grimper là-dessus. C'est ça le vrai problème, c'est qu'après, il va pas vouloir. Si. Ah. 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 Oh. Oh, on y est. Oh merde. Ah putain, pas eux. Ah, ils sont équipés en plus. Une paire de deux. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a envoyé un truc? J'ai même pas vu partir le machin. Ah merde. Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est chiant. C'est chiant. C'est toujours le même problème. Le changement d'arme est un vrai souci dans le jeu. Le jeu ne sait pas changer d'arme intelligemment. Ça, j'espérais qu'ils avaient modifié sans rester sur le même problème que le 1. C'est le jeu n'est pas capable de changer d'arme de façon fluide. Ça, par contre, ça reste une... Ah putain, il me remet en bas. Mais... Et... Par contre, on va avoir un vrai souci dans le jeu. Les save states, elles sont nulles à chier. Les save states sont nulles à chier dans ce jeu. Hein. Alors ça, par contre, c'est... Dans le 1, c'était pas aussi merdique, si? Ah, les save states, c'est une catastrophe. Hein. Le jeu ne se souvient de rien. En fait, elles sont pas assez présentes. Ah ouais, putain. Et ouais, parce que, en fait, là, c'est ridicule. Fallait mettre save state quand je touchais le plateau en haut. Oh. Ah, c'est une cata. Ah ouais, c'est une cata par contre, hein, ça. Ça, c'est vraiment pas bon du tout, hein. Ah ouais, ça, c'est pas bon du tout. Les save states sont vraiment pétés dans le jeu. Vous imaginez, ça fait pas longtemps que j'ai joué, j'ai déjà repéré que c'était complètement... Elles marchent pas du tout, les save states, en fait. Là, ils ont pas su les régler. C'est pas possible qu'un jeu avec des constructions comme ça et des save states aussi ridicules.
Ça devrait sauvegarder à chaque fois que tu fais une construction, en fait. Là, il faut pas hésiter, il faut en mettre à balle, parce que c'est obligé, c'est un jeu qui va reposer là-dessus. Oh, ah ouais, ça par contre, c'est excessivement mauvais. Hein. C'est marrant, hein, on l'a pas vu dans les tests. Dans les tests qui ont reçu le jeu de la part de Nintendo. Personne s'est plaint des save states, hein. Alors qu'en fait, elles sont complètement cassées. N'importe quel jour est des meilleurs save states que ça. Hein. Parce que là, c'est idiot que quand t'es franchi ça, il n'y a pas une save state sur le plateau en haut. C'est ridicule. À chaque construction, on doit avoir save state. Ouais. Ouais, je suis désolé. Hein. Ça, par contre, c'est hyper mal implémenté, hyper mal réfléchi. Parce que du coup, à chaque fois, t'es obligé de te retaper les machins. Tu vois, c'est débile, en fait. Parce que déjà, t'es même pas sûr que ça soit une formule qui marche bien, ce que tu fais. Ah ouais, ça, c'est hyper mal pensé. Hein. Retarder le jeu pour pas intégrer un truc mieux fait. Aïe, 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 aïe. Nintendo. C'est Nintendo. Ah là 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 là. Ouais, donc ça c'est la... ça c'est vraiment mauvais. Hein. Ou alors il se souvient de ma construction mais il l'a pas mis, il l'a mise n'importe où. De toute façon, en même temps, j'allais là pour la peau. Hein. J'allais juste là pour explorer. Ça ne me dit pas comment je vais en face. Putain, c'est débile parce que ça se souvient même pas quand tu poses un feu et tout. C'est ça qui est ridicule, en fait. C'est vraiment hyper mal fait, par contre. Hein. Oh. Ah ouais, ça, je suis désolé, c'est pas bon du tout. Parce que ça devrait retenir les feux que je pose et tout. Enfin, il y a un vrai souci. Comment tu places une save state aussi mauvaise dans un jeu comme ça? Enfin, n'importe quoi que tu fasses, ça devrait être save state, en fait. C'est juste pas possible, sinon. Parce que tu t'en sors jamais, quoi. Surtout un jeu où il y a des constructions aussi alambiquées. C'est vraiment ça qui est hyper mal réfléchi. Aïe, 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 aïe. Donc là, est-ce qu'il y aura un truc? Il y a peut-être un truc intéressant. Hein. Il faut que je me recoupe les arbres et tout. Et le problème, c'est qu'il faut que je me refasse à manger. Surtout que je comprends rien comment il les place, ces saves. Il les place de façon vraiment ridicule. 14h13. Ah ouais, il a pas save state depuis on sait pas pourquoi de temps. Depuis que j'ai battu, j'imagine, la bestiole. Tu vois? Où on en est, de toute façon. Oh, ah ouais, les save states, c'est horrible. Les save states, elles sont pas du tout 2023. Wow. Horrible. Horrible. Ah bah, c'est ça qu'il avait dû me lancer, en fait. Ok, donc il avait save ici. Il faudrait... Ouais, il va falloir récupérer un truc pour qu'il save state, en fait. Sinon, il n'y a rien à y faire, il voudra pas... Ou alors, il faut... Ah, bah sinon, oui, il faut que je fasse des sauvegardes manuelles, c'est le seul moyen. Faut pas que je me repose sur les save states, faut que je construise un truc. Et qu'ensuite, je sauvegarde, en fait. Il n'y a que ça. Mais du coup, on va se retrouver à multiplier les saves. Enfin, si ça sauve, hein. Si ça sauvegarde... Ah ouais, c'est idiot. Dans la manière de penser, c'est complètement idiot. Oui, il aura vraiment manqué une réflexion là-dessus. Hein. Waouh, comment on peut se retrouver... je sais pas comment c'est possible, en fait. De se retrouver comme ça, de dire... Bah attends, mais, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Mais il y a des dalles, là, je ne sais pas à quoi elles servent. J'imagine qu'il y a un truc dont t'es... Ah, c'est pas le fameux pouvoir qu'ils avaient présenté, là. Ah ouais, je suis censé y aller avec le pouvoir, en fait. C'est pas le pouvoir, genre, tu traverses les trucs, là. Ouais, je me fais chier pour rien, en fait. J'ai pas ce qu'il faut pour aller là. Ça sert à rien que je perde mon temps. Ouais, parce que là, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir infiltration, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour ça qu'il y a une dalle au-dessus. Donc, il faudrait que je trouve un moyen. Mais comment on va ce fichu... Il y a un truc que j'ai dû rater. Hein. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai dû rater, en fait. J'ai voulu aller là, mais si ça se trouve, c'est beaucoup trop tôt par rapport aux peu de choses que j'ai faites. Ouais.
parce que là il y a un vrai problème. Depuis que je suis dans cette zone là, je suis vraiment embêté en fait pour avancer. C'est ma progression, elle est plus trop logique là. C'est bizarre en plus que tu te prennes une zone de froid comme ça alors que t'as moyennement les choses pour t'en sortir. Je peux grimper après cette racine là ? Ah attends, et ça je peux grimper là ? Qu'est-ce que c'est en dessous là ? J'en viens de cette grotte là, c'est la grotte dont je viens de sortir, ouais. Bon là après par contre dans cette grotte tu peux te faire un petit... tu peux te refaire des petites... Ah bah oui mais non, sauf que je peux pas parce que c'est pas un vrai truc R7, je peux juste me faire une... Ah ouais putain qu'est-ce que c'est... Ah ouais ça va être compliqué ça. Ah je l'ai pas pouvoir... Est-ce que je peux grimper ça? Il grimpe de façon bizarre hein. Il a l'air ça d'y arriver. Oula, oula, il me fait peur. Hein. Je suis pas sûr d'avoir pris ça par le bon angle. On est au niveau stamina là. Est-ce qu'on arrive à monter ici là? On va pouvoir se reposer là. Ça le fait là, non? Alors repose-toi. Ah, si, il y a un petit chemin. Ok, donc attends. Ils avaient bien prévu qu'on vienne par ici en fait. Par contre, après, c'est la merde, on me dit. Il va falloir que je construise un truc là. Ah mais attends, il y a une petite cabane au fond du jardin là. Peut-être pouvoir faire quelque chose là. Ouais déjà il y a lui qui m'embête. Ah, par contre j'ai une arme à la con là. Bon c'est pas grave. Ah très bien. Ils avaient prévu. Ok donc t'es censé faire là. Et le truc après je suis censé y aller avec infiltration, ouais c'est ça. Donc ça doit être infiltration que je vais trouver dans ce. Alors attends, par contre, ce que je vais faire... Donc là, j'ai de quoi... Alors attends, prendre un repas déjà. On va prendre un repas. On va... Est-ce qu'il est bien placé, lui? Est-ce que j'arrive à... Ça, c'est toujours mon souci, c'est que je ne sais pas si ça va l'allumer ou pas, là. Je pense que non. Alors attends, ce que je vais faire une sauvegarde avant. On va éviter de se faire avoir. Puisque le jeu est un peu cucu, on va être aussi cucu que lui. Alors, est-ce que ça va partir dans la bonne direction? Les silex, ça va. Par contre, ça, il faut que je le range. Alors, attends, où c'est qu'ils ont mis les armes? D'accord, les armes, c'est à droite. Faut que je retienne ça. Hop, passe ici. Voilà, merci. Ok, donc là, on va pouvoir se faire tranquillement des piments. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Des petits piments. Bon, bah, je suis pas obligé de passer par là. Ouais, je veux juste ça, là, ça suffira. Attends, c'est très bien, ça. Dommage aussi que tu puisses pas cuisiner en série. Alors, peut-être que plus tard dans le jeu, il y a un moyen. Mais, genre, tu sais, comme dans Monster Hunter, où t'as les gens qui font la cuisine pour toi. Mais c'est vrai que c'est toujours aussi fastidieux de faire la cuisine. On va s'en faire quand même quelques-uns, là, parce que c'est la merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je l'ai rangé. Ok. On va s'en faire encore deux, je pense. Ça, on sera relativement tranquille. Ok. Ça, c'est bon. On va casser ça. Il y a un plafond. Ça va être peut-être un peu dur. Oh, c'est bon. Hop. J'aime bien quand ça se casse vraiment bien. Il
Ok. On peut le balancer, ça. Des petits soucis pour casser les objets, hein. C'est pas notre truc. Bon, très bien. Alors, là, on est pas mal. On va se mettre jusqu'au matin et on va faire une save. Parce que le jeu cherche à nous arnaquer. Ok, on est parti. Bon, alors attends, faut que je coupe de l'arbre, là. J'ai quoi? J'ai deux arbres. Ah putain, monsieur, elle va tomber dans le vide, celui-là, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors celui-là, ça va aller. Parce que là, il m'en faut au moins deux, non? Peut-être qu'un seul, ça suffit, finalement. Ah non, ça va être un peu juste, hein. Ah, quoique... Quel enfer. Ah bah non, il en faut deux, ouais. Il en faut deux parce que je peux pas le coller. Bon, attends, je vais essayer de le poser, pas qu'il se casse la gueule. Roule pas, hein. Merci. On va prendre un petit plat. Alors par contre, l'autre, comment tu veux que je le casse pour pas qu'il se pète la gueule, là, sérieusement? Se foutre de ma gueule, hein, dans le jeu. Et là, il va se péter la gueule, hein. Bon, au cas où, hein. J'avais dégainé le saisir, au cas où il bouge une oreille. Bon, ça va, il est pas tombé. Alors, attends, on va essayer de coller ça proprement. Bon, ça va, ça va, ça devrait à peu près le faire. Hop là, hop, hop. Voilà, on a réussi à le mettre du premier coup, on n'y croit pas. Alors attends, comment je vais poser ce truc là? Ça va pas. Ça va glisser à mon avis. Alors surtout que j'aime bien, c'est que je peux pas le... Je peux pas le positionner comme j'aimerais. Ouais, ça, ça tient. Ok, vas-y, grimpe dessus mon gars. Non, grimpe, grimpe, merci. Ok. Allez, go. Ici. Il y a encore un feu là? Ah, vieille chaussure doublée. Une petite résistance au froid. Oui. Je prends. Alors attends, je suis censé aller où moi? Par contre, je suis paumé là. Je suis censé aller... je ne sais pas. Attends, il est où là le sanctuaire que je cherchais à aller à attraper? Il est en haut? Bah ouais, attends, mais il est... Ah, attends, la marque est... Si, attends, la marque est dans mon dos, là, là... Attends, mais il est où? Ah, putain! J'ai failli passer à côté. Voilà, enfin. Non, ça fait un moment qu'on y est après celui-là. Bon, attends, petite save devant. On sait jamais s'il y a des embrouilles. Hop là. Peut-être qu'il doit save quand tu trouves un quand tu ouvres un sanctuaire quand même. On n'en est pas à ce point. Ah mais le coup de la marmite dans laquelle tu peux faire une seule recette, qu'est-ce que c'est que ce truc de... pas permis? Ah. Te voilà. Donne-moi ta main droite. Alors qu'en vrai, c'est sa main droite. Ah, ben voilà, infiltration. Le genre de jeu de combat. Alors, ce pouvoir permet de sauter à la verticale, oui, de traverser la matière solide au-dessus de vous et d'apparaître de l'autre côté. Ça a l'air bien.
Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois, il se nomme infiltration. Grâce à lui, tu pourras prendre l'altitude en traversant les parois juste au-dessus de ta tête. Crois-moi, il te sera bien utile au cours de tes aventures. Oui, bah, je te crois. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite infiltration t'appartiendra. Et go. Le pouvoir de l'ascension. Ça tombe bien, hein. J'aurais dû faire ce temple jeudi, en réalité. Pour être thématique. Le temple de l'ascension, tu le fais jeudi. Sinon, ça n'a pas de sens. De toute façon, là, mon repas, il fait assez chaud ici. Alors, attends, comment ça marche, cette merde, là, par contre? C'est là, ouais. S'infiltrer. Je viens de comprendre. Attention, il y a des trucs où il faut réfléchir ici. Alors, je vais regarder ici s'il n'y a pas un coffre que je ne verrai pas. Ah, j'ai piffé le coffre. Une hache caillouteuse. Mais je prends. Bon, par contre, pour descendre... Attends, je meurs... Je descends comment, là? Je meurs pour Saint, là, parce que... Non, ça va, ok. Je connais pas encore la distance de... je peux pas... Si. Attends, je vais pas regarder. Il y a pas d'autres endroits, hein. On va partir. Par contre, c'est pas obligé de me mettre un ennemi, hein. Attends, j'ai quoi comme arme à la con, là? Attends. On va prendre gros maillet. Non, je vais peut-être pas prendre gros maillet. Ouais, je vais peut-être prendre une hache caillouteuse, hein. Tiens. Ah, j'ai plus de place? Plus de place pour les arcs. Ah ouais. J'en ai pas un qui est sur le point de péter? Oh, bon, bah écoute. C'est comme ça. Alors attends. Où c'est que je m'infiltre là? Ah non, il faut couper ça. Et je peux m'infiltrer à travers ça, du coup. Ah ouais. D'accord, là, il faut que je m'infiltre... Ça, c'est juste pour le troll qu'ils ont mis ça, non? Il faut que je... Ça, je peux peut-être pas m'infiltrer là-dessus. Elle est vendre de couleur, la plaque. Ça doit être juste pour pas que j'y aille, non? Ah si, je peux. D'accord. Attends, on va quand même me regarder. Ah, si se trouve, je suis obligé, peut-être. Ah, oui, je vois rien. C'est le problème de devoir regarder en l'air. Parce que j'imagine que je peux pas infiltrer... Ouais, aussi, au dessin, il y a une limite de hauteur. Ouais. Ok, bon, faut pas que je bouge. Juste que je regarde en l'air sans bouger, quoi. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'afficher. Ok, nickel. D'accord. Marrant. Allez, go. Et on va regarder ce pouvoir. Donc là, on a récupéré les trois pouvoirs dont on avait besoin pour aller à la porte. Donc les lueurs, c'est le nombre de sanctuaires. Comment ça s'appelle? Ouais, sanctuaire dans le jeu. Ça fait quoi. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, on doit pouvoir essayer de... Alors, on a déjà l'espèce d'île là, à aller voir. Le problème, c'est que là, je vais avoir froid, c'est ça? Je vois que ton nouveau bras droit a retrouvé certains de ses pouvoirs.
La porte du temps, c'est ça. Du temple du temps ne devrait plus résister désormais. Ok. Bon, par contre, je vais avoir froid, là. On va prendre une petite recette. Hop, petite recette ici. Tac, petite save au cas où t'as pas envie. Moi, je pense qu'il a sauvegardé, là. Mais bon, je vais prendre l'habitude de faire des saves dès que ça me va. Ok, très bien. Eh ben écoutez, on se fait... Ouais, j'en ai pas besoin, là. Mais je préfère prendre l'habitude d'en faire tout le temps, parce que je sens que ça va être l'horreur. Si je me repose sur les save states sur le jeu... Petite pause, et je reviens tout de suite. De retour. Tu me dis que c'était pas la peine de reprendre un repas anti-froid ? Ouais, pourtant le thermomètre, il est vers le bas. Ah, mais il fait plus chaud ici ? C'est depuis que j'ai les bottes ? Bon, on verra. Alors, attends. Donc... J'ai été ici, ça sert à rien. Il faudrait qu'on aille explorer ça là-bas. Bon là le feu s'est éteint. Attends, il y a peut-être des trucs à récupérer de nouveau là. Et je vois pas s'il touche là. Je vis bien. Hein. Je veux pas le sortir de la... T'es sérieux ? Pas sortir d'un ? Il va se péter la gueule ou pas ce machin là ?
Bon d'accord, j'ai compris. En plus, il n'y avait rien dedans. Et une fois que t'as récupéré, il n'y a plus rien qui apparaît. Comment j'étais monté là ici? Je me souviens même pas. Par un arbre, non? Je peux redescendre. Ouais. J'étais monté par une racine ici, non? Je le fais saut ou pas là? Bon, allez, on tente. Ouais, ça va, facile. Allez. Go. Ah, attends, il y a peut-être du vide là, non? C'est bon. Alors, attends, il va falloir que je me motive là. J'ai pas des armes de ouf, moi. Oh putain, tant je remette la garde, ouais, c'est hyper lent ça comme arme, c'est pas ouf. Hein. Ouah, t'es sérieux? Putain, j'ai pas eu le temps de me soigner. Beaucoup trop lent l'espadon. Hein. Oh, de la merde. La merde en boîte cette arme. Beaucoup trop lent. Alors c'est surtout que le rapport lenteur dégâts est complètement pas bon. Une arme qui est aussi lourde devrait faire beaucoup plus de dégâts. C'est hyper mal calibré ça. Allez, on y retourne. C'est hyper mal calibré, sérieusement. L'arme est hyper lente, elle fait zéro dégâts. Ça sert à rien de faire ça. Hein. Quand t'as pas le talent de From Software, ne le cherche pas. C'est, n'essaye pas de faire comme eux pour le faire, tu vois. C'est vraiment le genre de truc. On va mettre un truc, on va essayer de faire comme From Software. Ouais, non, sauf que c'est raté, quoi. Ton arme, elle vaut rien. Ça se trouve, je serais meilleur avec ça. C'est mieux que ça. Ah putain, il en fait 26. Ça aussi, c'est agréable, ce genre de pattern qui n'ont absolument pas été réfléchis, ce qui fait que tu peux pas les esquiver à part garder, parce que les combats, on le rappelle, dans Breath of the Wild, c'était quand même un gros point faible. Ils savent pas. Ça, c'est quelque chose qui est pas bon au jeu et qui a pas été corrigé, malheureusement. Enfin, moi, je trouve que c'est un gros point faible du jeu. Les combats sont pas très intéressants parce qu'ils sont pas calibrés pour... Je vais être obligé de prendre deux trucs comme ça. Attends, je vais prendre ça et... J'ai plus de pommes. Oh ouais. Plus de pommes cuites. Mais par contre aussi, le jeu a un vrai souci. Il te met dans une zone tuto, d'un seul coup, il n'y a plus de bouffe. Je trouve ça complètement idiot. Oh, la caméra qui part. La caméra qui est partie. Ouais, je pouvais rien faire. La caméra est complètement partie en vrille. C'était pas moi, hein, la caméra. J'ai rien touché. Oh, catastrophique. Délice de viande. Brochette champi. La caméra, elle part complètement aux fraises. J'y peux rien. Je ne touche à rien. Et en fait, le lock me fait sauter. Me fait une caméra hyper bizarre. Ah putain, il me défonce. Ouais, ouais, c'est un peu tôt, on n'a pas d'armes en fait. Malheureusement, pas d'armes. Ah, putain, c'est... Pour une zone tuto, c'est pas super bien calibré. On manque de force. Hein. On manque vraiment d'armes intéressantes. On manque de possibilités. Hein. C'est dommage, hein. Mais tu vois, dès le tuto, il y a quand même plein de problèmes. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire qui sont limités très bizarrement. Et bah t'as pas d'armes en fait, et t'as pas de nourriture aussi, je trouve ça hyper bizarre de commencer le jeu avec aussi peu de choses quoi. Parce que du coup, c'est censé être un tuto, hein. C'est pas censé t'es arrivé, t'es censé faire ta vie, ouais. Pas bien calibré ça, dommage. Ça a été sorti trop vite. Ah tu peux redescendre comme ça, d'accord, marrant ça. Ok, si t'avais pas envie d'y aller, tu peux redescendre. Je me demandais ce que ça faisait. Ouais, alors le problème, c'est que j'ai pas d'armes, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant, ici.
Ouais, faut bien que je prenne un menu anti-froid. Hein. La température est pas trop basse ici. Hein. Je m'en doutais un petit peu de façon vu le... Y a rien en fait ici en plus, je sais même pas pourquoi je viens ici. Hein. Y a que dalle en fait. Ah si, y a un coffre. Je peux récupérer le coffre sans qu'il me voie? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va pas kiffer. Hein. Ah, tu peux pas, c'est vrai. Ah oui, ils avaient fait ça, oui. Oui, ça aussi. Ça aussi. C'est vrai que j'avais oublié que c'était une mécanique de jeu. Qu'est-ce qu'ils ont mis, là? Ça doit être quoi, ça? Il va me tirer dessus, par contre. J'aime bien son pote qui m'a zéro repéré. En même temps, j'ai un bouclier de merde, là. Ouais, ouais. Sauf que c'est bien, je ne peux pas contrôler le nombre de coups que tu fais. Ouais, je suis pas assez fort. Ouais, et puis mon bouclier va péter. Oula, il y en a un qui fait du feu, là. Ouais, ils sont un peu forts pour moi. Ouais, ils sont un peu forts. Ah mais j'avais oublié cette mécanique toute pourrie où tu... Et vous voyez, voilà. Quand je disais que pour moi, Breath of the Wild, c'était inférieur à Elden Ring, c'est exactement ça. Tu peux pas entourlouper le jeu. Ce qui fait qu'en fait, le souci, c'est que tu te retrouves avec un jeu qui flatte pas le fait d'être plus intelligent que lui. Parce que tu le scriptes bêtement. Et c'est bêtement scripté. Tu peux pas avoir le coffre parce qu'il faut tuer les ennemis avant. Ouais, super, on n'est plus dans les années 90, les gars. Ça serait bien de sortir... Alors, le seul moyen de les avoir... Si, il y a un moyen de les avoir. Mais le problème, c'est que le jeu te permet... Pff, c'est ça que je reproche au jeu, c'est que tu peux pas bien le faire. En fait, si, il y a des flèches bombes, ça leur ferait mal. Mais le truc aussi, c'est que le viseur est pété. T'es obligé d'essayer d'estimer comment tes flèches tombent, alors que c'est quelque chose dans le jeu vidéo que tu ne peux pas faire correctement. T'es dans un jeu en 3D. Ça, c'est quelque chose pareil qui est assez affligeant, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est pas dans la vraie vie. Donc, t'es pas un archer émérite. C'est ça, être un jeu vidéo, en fait. Et ça, c'est un truc qui leur échappe à Nintendo, malheureusement. Tu peux pas deviner à l'œil nu la distance qu'il faut sans indicateur. Tu vois, ça c'est une vraie erreur de game design en fait. Tu peux pas l'apprécier. T'es pas là pour tirer des trucs en cloche pendant des heures. C'est pas ça. T'es dans un jeu vidéo. T'es pas dans la réalité. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai défaut aussi dans l'utilisation de l'arc, parce qu'ils comprennent pas ce qui est en fait un truc qui devrait être un peu réglé correctement. Parce que tu vois, là, je vais être obligé de tirer une première flèche pour savoir à peu près... Ok, bah ça touchait, mais alors j'en avais aucune idée, tu vois. Donc attends, elles sont où les bombes, là? C'est un peu le bordel, l'inventaire, hein, par contre. Ah, je peux mettre une petite flèche au ming, sinon, mais bon, ça va pas être très intéressant. Et le problème, c'est qu'il va pas se rapprocher, là. Parce que déjà, si j'en ai un de moins... Oh, lui, il doit être assez près, là. Ok, lui, il est mort. Bon, lui, maintenant. Oh, ça va être long, hein. Faut que je fasse gaffe, il a un arc. Putain, c'est chaud qu'il m'avait one-shot avec son... Ce que j'aime bien, c'est que je vois pas les flèches, moi. Putain, je les vois pas. Le jeu, t'es sérieux? Je les devine comment, les flèches? Putain. Oh là 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 là. Je les vois pas, les flèches, parce qu'il faut me les indiquer clairement. J'entends... Et je vois le truc, c'est horrible, horrible. Mais qui design ça? Qui design ça et qui met des 97 à ce jeu en n'ayant jamais joué, en fait? Les flèches, faut les deviner, hein. Ça fait... Tu vois rien. Encore une fois, hein, Nintendo, on est dans un jeu vidéo, on n'est pas dans la vie. Ça, alors attends, et si j'essaye celui-là, il doit faire plus de dégâts, non? C'est pas très intéressant. Tu vois comment tu galères pour des trucs où tu devrais pas galérer parce que c'est pas bien réfléchi? Ah, elle touche pas, celle-là. T'as le touche. Tu te fais chier comme un rat mort parce que c'est des phases qui sont absolument pas réfléchies, en fait. Ok, lui, il est mort.
Alors lui par contre il est un peu loin. Lui je vais peut-être aller le faire à la... Le problème c'est que j'ai pas de bouclier. Et alors ce que j'aime bien dans cette zone, pourquoi t'as plus rien? Tu peux m'expliquer le jeu, pourquoi d'un seul coup tu enlèves tout volontairement, il n'y a plus de cailloux dans cette zone? Il y a des trucs, c'est réglé, mais n'importe comment. Donc du coup je peux pas protéger mon bouclier parce que ici je suis censé savoir qu'il me faut un super bouclier. Comment je le devine, tu vois? Ben, règle. Juste réfléchis deux secondes. Ouais, dommage hein, que ça soit aussi mal réglé hein, par contre. Encore une fois... est-ce que j'ai pas de caillasse là? Si, ça c'en est une peut-être. Je suis même pas sûr. Non, c'en est pas. Alors t'as des fausses caillasses. C'est un jeu qui est faussement crafting hein, par contre. C'est un peu... Ça aussi, c'est déjà premier... C'est un truc qu'on pourrait quand même immédiatement leur reprocher. C'est qu'ils te mettent les trucs dont ils ont envie. Ça c'est peut-être un caillou ça. Ok. Mais c'est faussement parce que en vrai, tu devrais pouvoir attraper plus de choses que ça dans tes, dans ton environnement, quoi. Donc du coup, c'est hyper limité pour une raison X ou Y. Mais on est quand même très loin du jeu que certains veulent nous vendre en disant « Ah, des possibilités incroyables !» Ah oui, tu parles, oui. Dès qu'il n'y a plus rien dans ton environnement, t'es foutu. Bon, alors attends. Bon, ça sert à se faire. Attends, on va faire une save ici, vu qu'on en a buté un. Hop. Vu que le jeu est un peu cucu. Ouais, je sens qu'on va, on va vite pas s'amuser, parce qu'en fait, le jeu a les, en fait, a les défauts d'essayer de faire croire qu'il est génial, mais en fait, il l'est pas tant que ça, parce que tu vois tout de suite les limitations, et tu vois, je suis dans le tuto. Hein. Je suis dans le tuto, et pourquoi je ne peux pas? D'accord, parce qu'au pixel près, j'y étais pas. D'accord, très bien. Mais tu vois tout de suite les limitations, en fait. C'est un peu le problème. Et tu peux pas faire tant de choses que ça, quoi. Il m'a pas vu, lui. Ah putain, par contre, qu'est-ce qu'il est lent, Link. Oh là là, c'est une horreur. Tu peux pas contrôler... Oh! D'accord. Casse-toi. Bon. Heureusement parce que mon bouclier, elle est cassée. Hein. Ah, mais du coup, il est pas mort, je peux pas avoir le coffre. Voilà. Pourquoi je n'aime pas les jeux scriptés. Voilà pourquoi c'est de la merde de scripter les jeux. Voilà. Exemple typique de truc hyper idiot. Ah ouais, il est là, il attend comme un con. Oh là là. Ah ouais, par contre le design est archaïque. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est archaïque. Heureusement il lui restait, il nous manquait une flèche quoi, mais putain qu'est-ce que c'est archaïque, sérieusement. C'est pas, ça c'est, en 2023 c'est pas possible, c'était digne des années 90. Ça, juste ça te casse ton délire en fait ça, tu vois par exemple, c'est pour moi ça me sort complètement du jeu en fait. C'est hyper scripté dans un jeu où t'es censé crafter, on te l'a vendu comme un truc modulaire et tout, putain. Moindre truc, faut laver avec deux pauvres ennemis complètement cassés, quoi. Ça, j'ai pas compris à quoi ça servait, ça. Ça a une utilité? À part servir de projectile? À quoi ça sert? Ah putain, par contre, j'ai encore plus de... Notez bien aussi que j'ai absolument pas... Sur les îles célestes... Bah, ouais, mais cracher du feu comment quand... Ah, peut-être quand je tape dessus? Oh. Eh ben. Mais par contre... Ok, t'es censé refaire un piège avec ça, ouais, d'accord. Mais attends, tu peux pas le mettre sur une arme, ça, on est d'accord. Si. Ah ouais, je peux peut-être l'amalgamer. Ah. On peut l'amalgamer. Par contre, je vais pas mettre là-dessus parce qu'elle va casser. Ça, c'est déjà amalgamé. Je vais la mettre sur celle-là. Alors, il y a un truc aussi qui est un peu idiot. J'avais oublié, mais ça devait être comme ça dans Breath of the Wild. En fait, les armes, on le sait que quand elles vont casser, en fait, elles ont pas de barre de vie. Ça, c'était très idiot, en fait, du 1. J'avais oublié...
Ouais, mais sauf que... Merde. Ouais, les armes que tu puisses, que tu peux pas changer à la volée, que t'es obligé de faire sortir de la sacoche, c'est pas un jeu de son temps. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est un jeu qui... Je trouve qu'en fait, le retour en arrière est assez violent, en fait. En 2017, ça pouvait passer, mais quand tu sais que c'est une suite directe, c'est juste assez abominable, en fait, de voir que le jeu n'a pas vraiment évolué, malheureusement. C'est vraiment dommage, hein, je trouve. Ouais, et puis en plus, ça te met pas la dernière arme. Enfin, c'est infâme. Le menuing du jeu est infâme. Il est absolument pas à la hauteur du jeu. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. Tu peux le mettre sur ton bouclier aussi, ça doit être marrant. Donc là, j'ai une arme qui crache du feu. Ok. Ouais, le jeu est un peu trop archaïque, en fait, hein, malheureusement. Enfin, c'est surtout que... On va dire que ce qu'on pouvait pardonner au premier... On va avoir du mal à le pardonner à celui-là, en fait. C'est un peu ce qui va être très compliqué, je trouve. Et pour le moment, moi, je trouve pas que c'est un... Bon, j'ai rien fait du jeu, hein. Sans doute qu'il y a des idées intéressantes. Mais par contre, le problème, c'est que pour moi, tout ça aurait dû évoluer. C'est juste pas possible de le laisser tel quel, en fait. Et attends, est-ce que j'ai une meilleure... je sais pas, est-ce que celle-là, je l'ai utilisée? Ouais, parce que voilà, par exemple, tu sais pas si ton arme, à part quand elle est rouge, elle est sur le point de casser ou pas. C'est pareil, une barre de vie sur l'arme, ça aurait été intéressant. Voilà. Des trucs qui doivent pas être, trop difficiles à faire, hein, mais... Ah oui, c'est vrai que la hache, je peux pas. J'avais oublié. Alors ça, c'est pareil. C'est pas inné, hein. Que la hache, c'est déjà une arme amalgamée. Sérieusement? Ça coule pas de source, hein, pour moi. Bon, ça, je vais le balancer, hein, parce que ça me sert à rien. Attends, je peux peut-être le mettre là-dessus, là. Non. Sur l'éventail. Ah non, c'est l'éventail, c'est pareil. C'est... Ah, mais ça veut dire que je pouvais fabriquer des éventails, en fait. C'est à moi de les fabriquer, les éventails. Ok, j'avais pas capté ça. Moi, bon, je peux le mettre sur une branche d'arbre, moi, c'est pas terrible, hein. C'est un peu con aussi, c'est que les trucs que tu as mal... Tu peux pas les mettre dans ton inventaire. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu ridicules, quelque part, je trouve. Pourquoi cet objet-là, je peux pas le mettre dans mon inventaire, mais il y en a que je peux mettre. C'est... Ouais. Je peux défaire l'amalgame, par contre. Mais ouais, il y a des trucs vraiment zarbi, hein. Et il faut encore que je prenne un plat parce que c'est insupportable. Bon, ok, ça c'est fait. Et c'était pas très intéressant. Alors attends, par contre, faut que je redescende. Attends, je dois pouvoir redescendre par où je suis venu. Ça évitera de mourir lamentablement. Ah, mais non, je peux pas. Attends, je peux peut-être sauter dans l'arbre. Ouais. Bon, ça va, là, je devrais le faire. Okay. Alors, attends, faut que j'aille chercher la mort de l'autre, là. Enfin, ce qu'il a looté. Voilà, ici. Bon, je dois plus avoir de place. Alors, je vais jeter mon... Ouais, par contre, tu... ça aussi, hein, que tu puisses pas jeter une arme que tu prends, c'est juste ouf. C'est juste ouf, quand même. Oh, ce jeu, 97, hein. C'est ouf. Je sais pas à quoi jouent les gens, en fait. Je comprends pas ce à quoi jouent les gens. Honnêtement, on a vraiment un souci, hein. Il y a vraiment un souci. On n'a pas du tout la même compréhension du jeu vidéo. Je vais jeter une hache. Hein. J'en ai assez. Et je peux pas... Ah ouais, je suis obligé de l'acheter. Ouais, si je veux jeter une arme, je suis obligé de l'acheter... Ouais, c'est toujours aussi merdique. Je peux pas l'acheter... Je suis obligé de la balancer physiquement, en fait. Alors après, je pourrais aussi la désamaguer, la... Ouais, enfin, c'est désamaguer... Enfin bon, bref, enlever son élément, c'est le nom amalgame aussi est pourri, hein. Fusion aurait été un peu plus simple. Et bien un peu compliqué pour rien. Alors attends, maintenant il faut que j'arrive à sortir de cette zone. Ce qui va être hyper long.
Ouais, combinaison. Bah, disons qu'en fait, quand tu veux dire désamalgamer, c'est un peu long. Ouais, parce que par contre, pour redescendre, comme je ne sais plus d'où je suis venu. Je suis venu par la grotte, non? Non. Je suis pas venu par là. Enfin, je trouve comment je repars. Ah si, je suis venu par là. Je me souviens plus si je suis venu par là. J'ai fait plusieurs grottes, ouais. Les trucs reviennent pas aussi. Je vais peut-être caler une petite save d'ailleurs dans la grotte. Il va falloir attendre, il va falloir peut-être passer un jour pour que ça revienne. Ne serait-ce que les éléments. Oui, il y avait même deux verres ici. Par contre, il fait encore... Non, dans la grotte, il n'y a pas besoin, là. Attends, fais voir. Dans la grotte, il n'y a pas besoin de se remanger, là. Ouais, mais d'accord. Là, la température est trop élevée. Hein. Par contre, quand je vais sortir, oui. Alors... Ok, alors maintenant... Il faut trouver un chemin, il faudrait trouver l'autre grotte, parce que... Ah par contre, la carte, c'est bizarre où ils l'ont placée. Ouais, ok, elle est là, mais bon, ça devait être comme ça dans le précédent, mais... c'est un coup à prendre. Donc attends-moi, il faut que je redescende, grotte sans fond, donc là je passe par le dessous... Ouais, il faut que je repasse par là en fait, hein, grotte de la fosse... Et ici, je devrais être bien. Et après, je vais bien trouver un chemin. C'est juste redescendre. Avec les bottes, ça suffit, tu penses? Ah ouais, les bottes, ça suffit. Ok, je pensais que c'était trop juste, en fait. Ça faisait juste descendre un tout petit peu. Enfin, ça commençait à faire descendre la vie. Bon, au moins, c'est toujours ça de trouver. Ah putain, par contre, ouais, je vais avoir du mal. La carte ici, je vais avoir du mal. Hein. Ouais, si, c'est bon. Peut-être mettre une petite balise au cas où j'ai du mal à voir où je vais aller. Allez, attaque, mon gars. Voilà. Alors, où c'est que... Ah, voilà, la grotte. Parfait. Peut-être mettre un caillou sur ma merdouille, là. J'ai l'impression que c'en est un, ça. Hop. Ah, les boucliers se font rares, hein, par contre. Ah, il y avait là aussi un petit crachoir, là. Ah, j'aurais mieux fait de mettre un petit crachoir. Ah, mais attends, je peux le faire encore. Attends, je vais prendre ça. Je vais mettre un petit crachoir pour rigoler. Je peux encore le faire, ça. Il faut que j'aille sur l'arme. Hop. Il faut que je défaire l'amalgame. Hop. Hop là, petit crachoir. Ah mais non, la carte est là, ça n'a pas changé. On est sûr que j'ai pas la bonne direction. Hein. Je suis parti où? Attends, je monte là de nouveau. Je vais descendre. Non, là, je reprends la grotte pour monter. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Attends, je peux plonger là, non? Ce serait peut-être déjà ça de gagner. Par contre, dans l'eau froide, je vais mourir, non? Bon, attends, on va mettre une save au cas où.
Avec le courant. Ah, avec le courant, par contre, je risque d'être emporté. Non, fais voir comment c'est foutu. À moins que j'arrive à attraper la bordure vite fait. Par contre, le problème, c'est que le bateau est de l'autre côté. Ah, il y a un petit... Non, je peux pas tomber dans le vide, déjà. Bon, on va voir. Oula, c'est chaud. Froid insupportable. Ah oui, je vais mourir direct. Ok. Alors, je suis pas... Moi, j'ai un vrai problème. Je trouve que pour un tuto, avoir mis une zone de glace au début est assez idiot, en fait. C'est pas un tuto pour moi. J'arrive pas à comprendre en fait ce qu'ils ont essayé de faire avec cette zone là. J'essaie de comprendre depuis le début du jeu, mais en fait elle est un peu... Que tu introduises des nouvelles mécaniques, ok. Par contre je comprends pas pourquoi tu mêles déjà ça avec une zone comme ça alors que tu n'as absolument rien pour y résister aussi bien. Ah bah tiens, il était là l'ennemi. Dans Breath of the Wild, non. Non non, le plateau du prélude n'a aucun changement de température. C'est bien plus tard que tu commences à avoir les changements de température. Par quoi? Ah non, alors en fait il est ici, le mob. Non, ici. Attends. Ah ouais, non, d'accord, c'est la grande roue. Ok, donc il est ici. Je me suis trompé, ouais. Hop, donc ça c'est nul, ça. C'est pas ça. Hop là. Ok, bon bah lui on l'a retrouvé. Alors attends, pourtant ça doit être par là, non? T'enlèves ça. Comment je redescends, là? C'est la merde, hein, pour... Attends, hop là. Je sais pas comment on redescend. Parce que je peux pas aller dans l'eau gelée. Ça en dirait plus une zone. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, sur le. Bah bien. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que cette énigme là? Ah ouais, il y avait une zone froide dans le. Bah j'ai pas du tout la faire parce que je m'en souviens pas du tout. Alors soit je l'ai pas faite. J'ai pas du tout y aller moi. Qu'est-ce que c'est que cette... Oh putain, c'est les Korugu à la con. Oh merde. Évidemment que c'est un Korugu à la con. Un truc comme ça en plein milieu, les énigmes à la Sonic Frontier, évidemment. Je peux pas me jeter. J'ai... Ah bah non, y a pas de flotte en dessous. Ouais, c'est en dessous qu'il faudrait que j'aille, hein, mais j'ai pas de flotte. Y a pas. Pas moyen de trouver un truc de flotte là. Oh là. Ouais, tu peux y aller avec une torche. Tu dois pouvoir y aller avec, ouais, un truc. Ouais, non, là, on peut pas y aller. Parce que le gardien, il est vraiment un peu trop fort. On n'a pas d'augmentation de vie. Puis on n'a pas de, on n'a pas vraiment d'armure. Les boucliers sont très rares. Enfin, l'horreur. Hein. Mais je me souviens plus par où je suis arrivé, là. Mais c'est dans le coin, parce que... Alors, attends. C'est dans le coin, parce que la grotte sortait. Mais le problème, c'est que je suis trop haut. La grotte sortait à côté du gardien. Le problème, c'est que je suis trop haut. Le problème, c'est que je suis beaucoup trop haut. Parce que c'est là, hein, que je dois passer, hein. C'est ça, hein, c'est en dessous que je veux aller. Mais je peux pas descendre. La roche, je peux pas, je vais me casser la gueule. Où est la grotte? Il n'y a pas... Attends. J'ai une grotte ici, là, d'après le plan. Est-ce que c'est celle-là qui me fait descendre? Est-ce que je peux me téléporter? Alors, si je peux me téléporter, ils m'en ont pas parlé dans le jeu. Je ne pense pas à l'heure actuelle, c'est un peu tôt, hein. Non, enfin, si on peut, je vois pas comment on pourrait faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils m'en ont pas du tout parlé, donc... Non,
Je peux juste sélectionner les trucs. Non, je pense que là, comme on est dans le tuto, le téléport, c'est peut-être un peu tôt. Attends, mais c'est peut-être par là. Ah! C'est bon, on a trouvé. Ouais, c'est bizarre cette entrée en matière. Hein. Je la trouve un peu étrange. On n'a plus rien à se faire à bouffer en plus. En plus, ce qui est marrant, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus un seul animal aussi. Alors, un seul animal. Ou... Du coup, tu peux plus te faire à bouffer. Enfin, c'est. Enfin, si, moi je peux parce que je dois avoir des poissons. Je vais me faire griller quelques poissons. Tiens, attends, j'ai un peu de volaille. Je la fais avec quoi? Est-ce que je fais pimenter? Non, je veux juste faire nourriture là. Ouais, je peux mettre un truc avec. Enduro, c'est jamais perdu. Ouais, heureusement que j'ai chopé quelques poissons et tout, hein, mais attends, j'ai quoi comme recette? Ben voilà, c'est très bien ça. On va se refaire un peu à bouffer. On s'en fout, hein, c'est juste pour avoir un truc. Parce que dis donc... Plus avec... j'avoue, là dans la zone où t'es, 3 cœurs, tu fais rien. La moitié des ennemis t'en enlève facile 2, voire 3 d'un coup. C'est difficile. Ah mais j'ai les champis célestes aussi. C'est vrai que je les oublie. J'ai les champis célestes aussi hein, comme recette, c'est vrai. J'en ai récupéré quelques-uns, mais j'en ai pas récupéré tant que ça, hein. Hop, ça on va se le cuisiner. Ah non, avec un champi céleste, ça va redonner trop de vie. Avec une pomme. Avec piment, tiens. S'en fout. Viande pimentée, c'est sympa. Ah, c'est vraiment chiant que tu puisses pas faire plusieurs recettes d'un coup. Hein. Oh là là là. J'ai pas fait viande plus... tiens, je suis en train de voir que j'ai pas fait viande plus... On va faire tempo, tiens. Voilà. Oui, sinon ça aurait pu être pas mal, augmenter ma vitesse, ouais, avec l'espadon, là, par exemple, j'aurais pu prendre ça, il devait. Peut-être qu'il m'en restait. Alors, on est où, là? Là, on est à côté du gardien, bon, ça, c'est un peu... Ouais. En fait, en tryhardant, je pense que tu peux l'avoir. C'est juste que j'ai peur que la récompense n'en vaille absolument pas la peine. Bon alors attends, comment je reviens moi maintenant? Alors là il y a des chariots, oui. Alors moi je cherche à aller droit devant. Là le chariot il fait tout le tour pour aller en dessous, non? Il va où? Moi, je vois même pas où il va. Ouais, je peux essayer ça, hein. Ah, il me dit toujours la même merde, lui. Bien ça. Hein. Ah bah oui, le bouclier, je sais bien, c'est la merde. Le bouclier, je m'en donne pas. Alors. Je peux me fabriquer des boucliers ou... Ça se passe comment? Là, je prends une planche, là, je peux pas fabriquer un bouclier, sérieusement. Ouais, je vois pas...
Parce que je peux pas le frapper. Ah, parce que maintenant, vu que tu peux plus les... C'est chiant ou ça marche pas à tous les coups, là, sur la pierre, là? Ouais, il en faut, hein. En même temps, ils sont vides. Ouais. Une fois que tu les as vidés, je pense qu'ils se re-remplissent pas. Bon, bah, allez, on va tester ici, voir ce qu'il y a. Monte. Bah, tu vois, par exemple, là, il peut pas grimper après ça. Ça me rend malade. Je sais pas pourquoi, il peut pas. Attends, je vais peut-être pas prendre ça comme... C'est un peu gros. On va prendre ça. Le framerate est absent là sur cette phase. Hein. Ah merde, je retourne dans ces drops à la con. Oh là 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 là. Ah, il a fait le plein, lui. C'est pénible. Honnêtement, alors je pense qu'il y a un meilleur chemin pour rentrer, mais qu'est-ce que c'est pénible, là, pour revenir en arrière. Ils auraient pas pu nous coller le paravoile, sérieusement, la paravoile, qu'on se fasse pas chier comme ça, ouais, parce que là, ça va être chiant, enfin, je rallume la lumière, oh là là, pff, c'est horrible. Tu fais déjà du backtracking dans un jeu qui en avait vraiment pas besoin. Hein. Alors, je pense qu'il y a, une meilleure manière hein, de revenir, hein, mais juste, c'est tellement pas logique. J'ai envie trop de chercher. Heureusement, il y a un peu de lumière, quand même. J'ai envie de devoir en mettre tous les quatre coins. Ah ouais, mais attends, est-ce que là ils m'ont remis. Il n'y a pas de chariot. Il va peut-être falloir quand même que là j'en mette un peu de lumière. Oui, là ça va être compliqué. Oui, bon, je vais faire avec une flèche hein, parce que il y a mieux, mais. Enfin, j'ai même pas besoin. Attends, fais voir. Non, c'est pas ce que je veux. Je pense que juste si tu prends. Elles sont où? Donc, ça c'est un gros. J'en veux un petit. Hop, il y en a déjà 76. Ah ouais. Attends, si je le jette là, il faut que je le vois par contre. Voilà. Bon, heureusement, ça éclaire assez loin. Seul avantage de ce truc. Ok, bon, ça va, c'est pas si loin. Alors après, on en est où? Ah oui, le gardien, on le voyait d'ici en fait. Ok, le gardien, on le voyait d'ici. Alors attends, moi je cherche toujours à aller en face. Hein. On va y arriver. Un jour, on va y arriver. Par contre, maintenant, comment je vais en face? Faut que je refasse tout le tour, je pense. Hein, parce que c'est... Alors là, déjà, je peux me jeter ici. Par contre, est-ce que je vais avoir assez de stamina pour traverser? J'en doute. Je peux pas grimper beaucoup plus haut. Ouais, le problème, c'est que je peux pas traverser ça, en fait. Bon, je dois avoir de la... Je dois avoir de la stamina... Putain, c'est chiant. Espérons qu'il n'y a pas trop de courant. Oh putain, je perds vite ma stamina quand même. Mon nez, j'ai mouru. Hein. Ça en redonne un peu le champion d'Euro, pas du tout. Non. 100, ça donne rien. Le remède enduro, je l'avais fait avec quoi? Non, ça redonne pas beaucoup, ça. Oh là là. Ah, au début, t'as rien. Faudra vite augmenter l'endurance, hein, dès qu'on pourra. C'est un peu dommage aussi que le jeu ne tienne pas compte du fait que tu aies fait le prédécesseur, hein, le précédent épisode. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu débile, en fait. Genre en mettant... tu vois, tu limitais, tu mettais pas tous les objets que t'avais récupérés, mais t'en mettais un petit peu. J'espère que je peux grimper sur celle-là. Oh, c'était juste. Je suis pas censé traverser ça à la nage. Je sais même pas si c'est là où je dois aller, hein.
Mais genre en mettant, tu vois, tu limitais les objets, tu mettais pas à fond, mais... Putain, je sais même pas où je suis, hein. Ah ben en fait, c'est chiant, parce que t'es dans les îles célestes, mais tu peux pas voler, enfin, j'ai vraiment un problème avec le début du jeu, hein. Pour moi, il est assez raté, en fait, le début du jeu, parce que on te montre des propositions, mais sans t'en montrer, en fait. Et là, attends, elle va où, c'est là que je suis censé aller? Caverne au bord de l'étang. On dirait pas, on dirait, quand même repart dans, on dirait que je repars dans l'autre sens. Non, je sais pas. Si, ça a l'air bien. Si, ça a l'air bien. La sortie... Ah putain, cette carte qui est mal placée. Mais t'es obligé de te repayer tout le tour? Putain, c'est ouf ça. J'ai dû rater un truc, hein. Je pense que j'ai raté un truc. Je pense que ça doit pas être aussi compliqué. Ça se trouve, j'ai complètement raté un truc, hein. Parce que c'est hyper mal le level design, et si c'est le cas, hein. C'est vrai qu'après, j'ai pas exploré, hein. J'ai pas beaucoup exploré, hein. Mais le truc qui est un peu con, c'est que le jeu te permet pas beaucoup d'explorer, t'as pas assez de nourriture dès le début. Donc en fait, t'es obligé de revenir en arrière pour au moins te refaire un stock de nourriture. C'est ça que je trouve un peu raté, en fait. C'est que pourquoi t'as pas mis plus de nourriture au début, en fait, histoire de pouvoir te permettre quand même d'explorer. C'est censé être le tuto, mais donne-moi les moyens aussi d'explorer, tu vois, parce que si tu les donnes pas, évidemment, les joueurs, ils vont tracer, quoi. C'est ça qui est un peu con. Mais ça se trouve, je suis censé avoir récupéré quelque chose que j'ai complètement raté, hein. Ça, c'est possible, parce que, comme toujours, hein, dans les jeux à monde ouvert, hein, rien n'est simple, hein. Tu peux pas savoir ce que t'as raté de ce que t'as pas raté, donc ça se trouve, je galère vraiment pour rien. Mais de toute façon, je ne pouvais qu'être obligé de descendre, et comme l'infiltration marche que dans l'autre sens, je vois pas... où je pouvais aller. Ouais, là on est retourné au tout début. Ouais, puis il y a un autre problème dans le jeu, hein. Il ne conserve pas tes constructions, hein. C'est un vrai souci, hein. Je suis désolé, c'est un vrai souci, hein, pour moi. Parce que du coup, il est où l'aspect sandbox, en fait? Tu vois, si ton passage est pas, il reste pas en tant que tel, bah c'est idiot, en fait. Et c'est un peu le souci, hein, ça, et le jeu, il efface tout, hein. Il en a rien à faire, hein, il a pas la capacité de garder les constructions, ou très peu, en fait. Et ça, pour moi, c'est pareil, hein, c'est pas hyper intéressant. Je vais pas aller faire le con pour aller chercher ça, ça en vaut pas le coup. Ça aussi, pour moi, c'est dommage, quoi, parce que tu fais un jeu qui est basé sur les constructions, mais dès que tu t'éloignes de quelques mètres, bah, les constructions, elles disparaissent. Quel est le délire, du coup? Il y a quand même plein de choses qui sont déjà hyper critiquables dès le début, hein. Mais bon, meilleur jeu de la Terre, hein, par les professionnels, hein, qu'est-ce que je vous dise. On joue pas au même jeu, hein. Ouais, parce que là, tu vois, j'ai pas le radeau que j'ai utilisé à l'aller. Alors que si j'avais le radeau que j'ai utilisé à l'aller, bah j'aurais pu lui mettre le petit moteur que j'ai gagné. Et je partais dans l'autre sens. Enfin, c'est juste infernal, quoi. Ça veut dire que je suis obligé de me reconstruire un truc, sauf que pareil, bah si je dois me reconstruire un truc, le jeu ne l'a pas prévu, puisqu'il m'a mis un arbre. qui game design ça exactement? Bah si, il y a deux arbres, là. Mais enfin, ouais... C'est d'un ennui incroyable, hein. Pour un début de jeu, tu te fais chier comme c'est pas permis, en fait. Est-ce que deux, ça suffit, je pense, non? Mais après, j'ai peut-être complètement raté un raccourci, hein, ce qui est possible aussi. Hein. Ok. Enfin, parce que je sais même pas, mais je pense que je dois aller en face parce que c'est là d'où je viens, mais j'en suis pas certain, hein, en plus. Bon, attends, le truc devrait pas se barrer avec le vent qu'il y a, là.
Non, c'est bon, il se barre pas, on est d'accord. Moi, je vais monter dessus, peut-être au cas où. Hop là. Ah ben non, attends, je peux pas monter dessus parce qu'il va me foutre le machin n'importe où, là. Il va me foutre l'objet spécial... dans la flotte. Il en est capable. Alors il y a des fois le truc c'est pas... D'accord, déjà je vois même pas où il me colle n'importe où. Le jeu, je t'en supplie, arrête de me coller n'importe où. Il est pas malléable le jeu. Hein. Là, je sais pas où il me colle. Bon, ça va à peu près, allez, go. Ah, sauf qu'évidemment, voilà, toujours le même problème, c'est qu'il a un vrai souci, il a un vrai souci, Link, pour interagir avec les objets à côté de lui, en fait, hein, par moment. On est à peu près en face. Ouais, ça va le faire. Ah, est-ce qu'il a assez de puissance? Pourquoi il tourne? Le jeu se fout de ma gueule, littéralement. Qu'est-ce que c'est que cette merde, sans déconner? Tourne dans l'autre sens en plus le truc là. Je sais pas pourquoi il tourne dans le sens, ça n'a aucun... ce qu'on est en train de voir n'a aucun sens. Hein. Clairement aucun sens. C'est... si t'essaies d'apprendre la physique aux gamins avec ce jeu, c'est quand même compliqué, hein, parce que là, ils vont péter un câble. Hein. Je sais pas pourquoi le truc tourne. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Parce que même avec le... c'est le vent à contresens qui fait ça, mais enfin... même le vent à contresens, il devrait pas avancer, en fait. Tourner, je sais pas, il devrait pas tourner en sens, en plus, il devrait tourner en autre sens. Si là, quand il pousse le vent... ouais, ça devrait le pousser en plus pas... enfin, ça devrait pas lui faire faire un arc de cercle comme ça, en fait. Ouais, c'est une catastrophe, hein. Je pense que c'est une catastrophe, là, ce à quoi on assiste. Hein. Ça n'a aucun sens. Ce truc qui tourne en rond, c'est pas pourquoi. Putain, puis alors en plus... ouais, le... ah, ça c'est la merde, ça. Ça, je l'ai perdu. Voilà, ça c'est le... ah non, ça va, il me l'a... ça va. Ça va, ça va. Il me l'a laissé... je pensais qu'il avait coulé, mais non. Oui, parce que, en fait, ouais, je vois le problème du jeu. Il faut mettre forcément trois trucs. Ah ouais, c'est hyper scripté. Ah ouais, c'est pas des vraies constructions, en fait. Oh là là là, ça, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. C'est pas possible, en fait, de sortir un truc aussi limité, quoi. T'imagines le nombre de jeux qui existent, qui ont moins d'argent que lui, qui ont fait mieux que ça? Parce que là, c'est juste pété, en fait. Ça veut dire que le truc, ouais, il faut que ça soit hyper scripté, en fait. Sinon, le jeu t'envoie chier. Il dit non, non, ça ne marchera que parce qu'il en faut absolument 3. Sinon, le reste, tu vas te faire voir. Mais c'est pas possible, en fait, de faire ça. Tu vas voir, là? Bon. Écoute, là, ça a l'air de lui plaire. On ne sait pas pourquoi... moi, j'ai l'impression qu'il est exactement au même endroit, mais écoute, pour le jeu, non. Allez, hop, on se casse. Ça suffit, les conneries. Alors, attends, parce que maintenant, il faut que j'aille où? Ah, cette carte mal placée. Donc, je suis là, ouais. Ah, putain. C'est l'enfer. Le menuing du jeu, c'est l'enfer. Il était aussi chiant que ça, le menuing de Breath of the Wild. J'avais pas souvenir qu'on pouvait pas sortir avec un autre bouton de la carte parce que le jeu est hyper chiant comme ça. C'est possible, hein, que j'ai oublié, hein, que ça soit, c'était aussi mal foutu déjà de base. Hop.
Ouais, c'est bizarre. J'ai un vrai souci avec la carte, en fait. Je comprends pas comment elle se met à me sortir à la gueule comme ça. Elle passe dans un autre menu parce que le truc n'est pas un vrai bouton sortir. Ouais, et alors on a un peu le même souci que son prédécesseur, c'est que les dénivelés sont illisibles sur la carte, c'est ça? Donc les gros traits noirs, ça veut dire que c'est dénivelé? Est-ce que je grimpe ça? Non, parce que c'est mal foutu, putain. Il me saoule, Link, à pas être capable de monter un truc qui est devant lui. Ouais, si ça va, il va grimper, je pense. Ouh, ça va le faire juste. Non, ça va pas le faire. J'ai pas plus haut, attends, peut-être si je pars de là. Attends, recharge. J'ai peut-être pas assez, attends, si, peut-être si je shot pas, ça devrait le faire. Mais je me souvenais pas qu'il avait autant de mal à s'agripper dès que c'est pas pile poil perpendiculaire à lui, en fait. Ça, j'avais oublié combien, des fois, c'est la galère, alors que ça devrait être très très simple. Alors là, par contre, ils m'ont remis les ennemis, ok, donc ça aussi, ça a l'air d'être, on sait pas. Ok, là j'ai des plateformes. Par contre, l'autre il va me voir, non? Ouais, quand j'ai des plateformes, je suis encore obligé de grimper ici. Hein. Ouais, j'étais obligé de m'occuper de lui. Il y a son pote. Je l'avais nettoyé ce truc. Ah, je l'avais pas nettoyé ça. Comment ça se fait que j'ai pas nettoyé? Je suis pas venu par ici, peut-être du tout. Bon, attends. Comment il sait à ce moment-là? Ah putain, ouais, je peux pas savoir que mon arc touche pas. C'est horrible. Ça, c'est vraiment un problème récurrent du jeu. Je m'en souviens maintenant dans le 1, je m'en plaignais déjà, parce que... Comment le jeu, tu veux que je le devine que l'arc ne touche qu'à partir d'une certaine distance sans indication visuelle, en fait? Comment tu veux que je le devine? Sérieusement? Ça, c'est un délire que je comprends pas, en fait. Comment tu veux que le joueur le devine, en fait? Tu peux pas. Allez, venez. Par contre, j'ai pas de bouclier, ça va être chiant. Mais c'est pas... Ils sont cons à ce point, les ennemis? Oh là là là, mais c'est un enfer! L'IA du jeu, c'est un enfer, hein! Oh putain, par contre, ça nettoie, hein. Ah, par contre, il y a l'archer qui m'a vu. Attends, je vais aller me cacher derrière l'arbre. Ah bah non, je l'ai pas touché, c'est vrai, je suis con. Je me rapproche. Ok. Tu les évites, non? De quoi? Qu'est-ce que j'évite? Là, je suis obligé de les tuer pour prendre le coffre. Il nous faut un peu d'argent, quand même. Bon, quelques flèches en bois... Sinon tu les évites, oui, si tu veux pas les... Si tu veux pas le coffre, tu les évites. Ouais, non mais là, ça allait, ils sont moins résistants, eux. C'est pas ceux qui font... Bon, déjà, ils avaient pas d'armes, il fallait qu'ils aillent les chercher. Il y a une épée rouillée, Ah putain, par contre, ouais. L'enfer. Oh, ça va casser, ça. Ouais, bof. Ah, il y a bouclier. Ah ouais, j'ai... Je suis full bouclier. Mais putain, mais... Oh, c'est une... Ah, mais... Ah putain, parce que ça, c'est un bouclier. Ah oui, d'accord. Alors, j'avais pas du tout compris que c'était un bouclier, ça. Ouais, par contre, il y a un vrai problème, hein. Parce que putain, tout à l'heure, quand je l'ai pris, j'ai pas du tout compris que c'était un bouclier, moi. Ah ouais! C'était absolument une petite sauterelle. Ou non, c'est un crapaud, j'ai de la merde. Un crapaud, ça. Il est où? Il était là. Oui, il est parti comme une fusée. Ah, d'accord, les crache-feux. Ah oui, alors par contre, t'as ça, et puis t'as une arme qui crache le feu de l'autre côté. Par contre, là, t'en vois. Hein. Là, tu commences à déconner zéro. Hein.
Ouais, là c'est les Korogu à la con. Oh putain, la carte là. Putain, la carte là, ça va être une horreur, la carte là. Quelques champis. C'est quoi ça? Ah non, c'est une branche d'arbre, j'ai cru que c'était un animal. Ouais, en fait, peut-être, ce qui est un peu dommage, je pense que le début est beaucoup trop long, en fait. Parce que les gens ont quand même joué dans l'ensemble, à mon avis, à Breath of the Wild. Hein. Pourquoi avoir fait un... Bon, pour les nouveaux pouvoirs, je peux comprendre. C'est que je les ai pas utilisés, elle. Je sais plus. Ouais, je vais peut-être pas en prendre une. Si, j'en ai une. Ah, mais il y a qu'un type, non, de Luciole qui redonne de la vie, non? Je sais plus comment elle marche dans celui-là. Attends, j'aurais mieux à les prendre que l'autre fois. Je sais pas pourquoi, celles-là, je les ai toutes prises. Ben, après, dans Breath of the Wild, elle dure 3 plombes, ouais, déjà l'intro, mais ici, dans Breath of the Wild, ça s'expliquait, ici, c'est... Ils ont refait un peu la même chose, c'est peut-être un peu dommage. Alors que, bon, je pense que t'as quand même tes réflexes, mais te réexpliquer... Après, ils partent du principe qu'il y a des gens qui ont pas fait le premier jeu, ils te réexpliquent comment tu fais à manger... Bon, après, vous pouvez aller plus vite, hein. Moi j'ai pris mon temps, hein, mais... Alors attends, là on doit pouvoir y aller. Par contre, faut aller sur l'île en face, mais il y a un rocher, donc ça doit le faire. Enfin, il y a une plaque là. Est-ce que je peux mettre la plaque? Alors de toute façon, moi je veux pas aller en face. J'y étais en face. Alors ça c'est pareil, hein. Tu peux pas savoir par où t'es passé ou non. Je pensais qu'avec le premier, ils auraient appris, absolument pas. Ça me permet de traverser ça ou je me la mets dans les fesses? Ça passe pas ça? Attends, je vais faire une save devant, comme ça si je meurs, j'aurai pas de regret. Mais c'est vrai que ouais, pour ceux qui ont déjà fait le jeu, le début est un peu fatigant, c'est vrai. Que je sais plus... Ah bah non, j'y avais pas été. C'est bien trop calme. Ah, j'ai pas vu du tout la... Je regardais tellement s'il y avait pas de danger devant moi que j'ai pas vu la sauterelle partir. Mais ça, c'était pareil dans le premier. Sauterelle sur 20. Ah, il y a carrément un petit coffre, là. Surtout, il y a de la merde dedans. Oh, de l'ombre. Bon là attends, par contre pour revenir on va passer par le même chemin, on va éviter de faire le con, et après il y a une communication là-bas. Ouais, si j'amène la plaque ça va le faire. On va foutre ça là, on va pas se prendre la tête. Je dois pouvoir passer sans, hein, mais... On va pas se poser de questions. Alors, attends, par contre, on va essayer de la foutre à peu près, voilà. Bon, heureusement, il arrive à sauter loin quand il a un peu d'élan. Ok. Bon, alors, attends, on se rapproche, là? On est où? On se rapproche. C'est là-bas. Alors, attends, maintenant, comment j'y vais, là-bas? Il y a de quoi se faire un petit chariot, là? Comment je retourne en haut, là? Alors ça y va, mais j'ai de quoi me construire un truc, là, ou pas du tout? J'ai un crochet ou pas? Attends, ben, ils sont sérieux? Ils m'ont pas remis un crochet? Putain, mais ils veulent vraiment que... Parce que là, sans crochet, je peux pas remonter, hein. Qui va me raconter les mêmes conneries, l'autre? Ouais, il raconte vraiment les mêmes conneries. Il n'y a pas de crochet ici. Je peux monter ici, mais est-ce que ça va m'aider? Parce que moi, je cherche à... J'ai quand même beaucoup de trucs à parcourir. Je peux grimper ici, là. Je sais pas si ça... Attends, je vais prendre les pommes, déjà.
Ça, je dois pouvoir grimper. Et ça se trouve, ouais, j'ai raté un truc, hein, ce qui fait que c'est très pénible, hein, ce passage pour moi. Bon, là, déjà, je peux me faire un pont. Meilleur, ça, c'est une meilleure nouvelle. Par contre, attends, le problème, c'est que je cherche à aller où, moi. Ouais, parce qu'attends, là, il y a du vide, là, il y a du vide. Mais à côté aussi, il y a du vide. Parce que là, je suis sur un truc isolé, peut-être, par contre, que je peux faire bipon. Bon, petite pause, et je reviens. De retour. Allez, on se rapproche de Stamp du Temps, là. Alors. Ouais, mais ce qui est vachement étrange, c'est qu'on a l'impression que je suis jamais venu dans le jeu, en fait. C'est ça qui est bizarre. La manière dont les gens choisissent de me faire les trucs. Je l'ai mal pris là. On y est là? Ok, là c'est bon. Ensuite. Ensuite, il y a un petit escalier là. Ouais, mais je crois qu'elle communique pas les deux. Il y a peut-être de la flotte. Oui. Passons par là. Ouais, est-ce que je peux pas me TP de sanctuaire en sanctuaire, hein? Bon, j'ai raté un bouton. Sélectionner. Non, non, ou alors je sais pas comment on fait. Là, je peux me jeter dans la flotte. Hop. Petit plouf. Petit... Splush. Exactement. Et on se rapproche. On se rapproche, on se rapproche. Alors attends, il y a des flèches là. Est-ce qu'on peut y aller par là? Non, je pense pas. Il va falloir repasser par le pont qui n'est pas du tout à côté de moi, donc je le vis bien. Donc on peut absolument pas passer. Ah, à moins que je puisse utiliser infiltration là. Ça marche infiltration ou pas du tout là? Je me le fous aux fesses. Ah, ça marche. Un truc qui marche. Hey, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là? Un vrai donjon? Avec mes bottes? Oula! Qu'est-ce qui se passe ici?
La porte close terminée. Maintenant, passons à la maison close. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce haricot magique, là? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grosse dent. King. Ils sont toujours en train de se serrer la pince. Ils aiment bien. Ah, je vais devenir un chevalier d'or. Ah mais non, ça doit être le truc pour inverser le... C'est un pouvoir qu'elle est en train de me donner là. C'est le rewind, non? D'où le nom... D'où le nom temple du temps. Parce que je peux pas revenir dans les îles célestes si j'ai pas ça de toute façon. Rétrospective. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout instant. Rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Zelda a disparu sans laisser de traces. J'ignore ce que tout cela signifie, mais... je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Si tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison. Ah, attends, comment j'utilise cette merde là? Attends... J'essaie de comprendre, hein. Je comprends pas s'il faut que j'aille... Faut que j'aille de l'autre côté, en fait, c'est ça que le jeu essaie de me dire. Je suis obligé de les inverser pour monter sur le truc au milieu, non? Attends, faut que j'attende un peu. Vas-y, passe. Ça va pas le faire, là. Ah merde, il aurait fallu que j'aille directement. Ok, si, c'est bon. Bah y'a rien ici, hein. Pourquoi je suis venu là? Ah mais je vais l'ouvrir avec mes petits bras musclés. Ah non, pas tout à fait. Pousser. Attends, mais ça utilise des cœurs de vie, je vais crever. T'es sûr?
Cette porte est là pour mettre... J'ai pas sauvegardé avant, c'est pour ça que j'ai relâché. Hein. Porte de la vitalité. Et comme tu as perdu presque tout effort, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Et c'est à ce moment que tu me dis là, tu me dis ça. Tu devrais pouvoir y trouver une lueur de bienfaisance. Enfin, tu devrais pouvoir trouver un cœur. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis, que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Prua. Elle possède une fonction de téléportation. Ah ! Quand même. Tu vois ces symboles sur la carte? Oui, bah oui, oui, je vois. Tu peux te rendre sur place à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Attends, celui qui est tout... qui est là. Ouais. Et après? Bah après, démerde-toi. Ah par contre, il faut être dehors, non, pour faire ça? Mais attends, mais t'imagines, il a fallu que j'arrive là-dedans? Que j'inverse le truc, et une fois que je suis devant la porte, il me dit « Eh au fait, t'aurais pas pu me le dire avant que je rentre là-dedans ?» C'est moi ou c'est super bizarre en fait ce qu'ils te font faire là? Parce que du coup je peux pas utiliser la téléportation ici, j'imagine qu'il faut que je sois dehors, non? Soit un peu, mais... Ça marche dans les espaces clos? Ou je me prends le plafond dans la gueule? Non, ça marche, ok, très bien. Eh ben. Donc, du coup, j'avais peut-être rien oublié. Hein. C'était peut-être normal que tu reviennes un peu n'importe comment jusqu'au temple. Hein. Alors, attends, par contre... Attends, je suis où, là? Qu'est-ce que... Attends, faut que j'aille où, là? Alors, je vois même pas où est le point. Ah, faut que je monte, là? Non? Bah non, attends. Ah oui, c'est vrai que c'est au tout début, ça. Je me rappelle. Alors, attends, parce que déjà, faut que je comprenne où est le point. Ça va être quelque chose. Hein. Est-ce qu'il est dans cette direction ou pas du tout? Ah si, il a l'air d'être dehors. Mais on est obligé de se retaper le début du jeu, là? Oh là là. Rassurez-moi, c'est moi qui ai juste rien compris. Le point, il est où, là? Il est censé être au-dessus, c'est ça? J'adore ces cartes où on peut pas savoir où on est. C'est-à-dire que je sais pas si le point, il est en dessous ou au-dessus. Je dois le savoir, en fait, avec les coordonnées, j'imagine. Mais étant donné que bah, c'est abscond des coordonnées, je peux pas deviner quoi. Espérons qu'ils sont en dessous. Je fais des gros poufs, hein. Bon bah il doit être au-dessus alors. Mais il veut que j'aille où le jeu là? Bah ouais, parce que là, c'est pas là qu'il veut que j'aille. Ah, c'est bien foutu, hein. C'est hyper bien foutu.
Parce que ça, je vois pas comment je... Ok, après je vais où en face? Ça me sert à quoi d'aller en face? Y'a un truc au-dessus là? C'est un enfer, les maps à comprendre. Pourquoi le truc est parti en haut là? Ah, parce que c'est le pouvoir... oui, ok, parce que c'est le pouvoir... car il part automatiquement en haut, ok, d'accord. Oh, je l'ai raté, hein. Tu vois tout ce que je fais, là. C'est que je suis là. Ouah, c'est quoi ce passage? Ah oui! Ah bah dis donc! Eh bah j'ai eu du cul de le trouver, hein, parce que j'aurais pu passer des heures à tourner autour. Qu'est-ce que c'est ça? Ceci est un générateur de batterie. Si tu veux, je peux fournir des cellules de batterie en échange de cristaux. Ouais, j'en ai peut-être assez. J'en avais déjà fait, donc. Par contre, c'est qu'on doit en avoir besoin là-dedans. Ouais, il va sauvegarder quand je vais l'ouvrir. Ou pas. Ah ouais, il était bien planqué, lui, hein. Parce qu'en fait, au début, moi, je pensais qu'il était au-dessus. Je pensais pas qu'il était sur le côté. Le pouvoir de revenir. Ok... Ah par contre il est pas où je pensais, ouais d'accord, faut que je le prenne là en fait. Est-ce que ça va suffire? Oh ça va suffire. Alors attends, par contre après... Ah oui d'accord, ok oui. Je comprends. Voilà. C'est qu'il est vénère, le pouvoir. Ok, alors là, le coffre, maintenant. Non, je vais m'amuser. Celui, ça va passer. Ah, 10 flèches en bois. Je suis extrêmement satisfait de ce loot. What?
C'est quand elles se croisent. Mais attends, mais... Attends, mais comment je fais? Parce que... Attends, si je fais ça, elle revient en arrière. Oui, ok. Si je bloque l'autre... Attends, si je retourne en arrière... Alors, ce qui... Ah mais attends, peut-être que je peux faire... Je peux pas faire retourner les deux en même temps en arrière, on est d'accord. Ah mais c'est peut-être la plaque. Bah non, la plaque, je peux pas la viser. Attends. Non. Attends. Ah. Attends, je capte pas le délire, là. Oui. Faut que je les arrête quand elles sont superposées. Ok. Alors ici. Hop. Ah, j'ai bloqué au début, je comprenais pas ce qu'il voulait que je fasse. L'heure bienfaisante, oui. Mais alors par contre, j'ai toujours pas trouvé... Donc attends, ça j'en ai récupéré, ok. Parce que je comprends toujours pas pourquoi je suis venu là. Hein. C'est où que ça va se transformer en cœur, ça? Donc là, j'ai récupéré ton objet, on est content. Ensuite... attends, le journal... faut-il encore que je le retrouve? Attends, il est où le journal? Il est là, je crois. Faut qu'on retourne au temple du temps, là, non? Donc attends, tac, tac, tac. Par contre, on est bien d'accord que j'ai pas de TP pour aller là-bas. Ah, c'est super, hein. Bon, après, je suis là, ça va. Parce qu'un TP au temple du temps, c'était trop demandé, hein. Et alors attends, hop, et je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, il faut que je fasse plus. Hop là. Bon, c'est pas le plus long qu'on ait fait comme parcours. Hein. Ah tiens, il y a un petit champi céleste là-bas. Ah, ça veut dire qu'il va falloir refaire les trucs inversés. Oh là là. Putain. Bon, genre pénible le jeu. On a que ça à faire. Là, c'est clairement pour te faire perdre du temps. Hein, parce que ça n'a pas vraiment de valeur d'intérêt, je trouve, en termes de. Non, ça trop tôt. Là.
Oh là, j'ai cru que je l'avais raté d'ailleurs le... Ça a pas grand intérêt d'être obligé de refaire ça. Hein. Ah, bah voilà, elle est active elle maintenant. Je prie. Ah ouais, c'était 4 qu'il fallait pour augmenter quelque chose. Donc là, on est obligé. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, oui. Je veux encore en plus. Mais c'est vrai que c'est particulièrement quand même un peu tordu de te dire « Ah bah tiens, en fait, t'es là maintenant. » Bon, en fait, on t'avait pas dit, mais c'était dans le tout premier truc que t'avais une chose à aller chercher, mais comme t'avais pas le pouvoir, hein, plus que 20 à récupérer. Il y en avait 24, c'est ça, dans l'intro. En vrai, en plus, d'abord, tu fais un peu augmenter la stamina, et ben après un peu les cœurs. Parce que la stamina, t'en as vite besoin pour te promener partout. Hein. C'est juste, hein. Et là, tu crèves juste devant. Ah bah non, faut le refaire, monsieur. Ah merde. En fait, il fallait 5 cœurs, je t'avais pas dit? Non, tu me l'avais pas dit, non. Yokatta. Parfait. Tu vas recevoir la porte. Non sans mal. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé tous tes pouvoirs. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. La lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance et je m'en réjouis. Oh, on va plus le revoir, lui ? Ah, je pensais qu'à chaque fois qu'on allait sur l'île céleste, on allait le voir. Zelda avait raison à ton sujet. Tu es très bavard. Prends soin d'elle. Je te la confie. Bon, d'accord. On a fortement apprécié ton lore, hein, qu'on a pu pas découvrir. Bon. Oui. Ah bon. Je me suis dit, ça va être compliqué, là. Ils l'ont mise au-dessus, rassurez-moi, oui, parce que sinon, on n'était pas bien. C'est quoi ça d'ailleurs? Ah, j'ai un raccourci carte. Il est apparu à quand? Il était pas au début ce truc. Ok, ils ont mis un raccourci carte là. D'accord. Ouais, c'est pareil, hein, c'est histoire qu'il aille pas trop vite à la porte, hein, on sait jamais si des fois vous étiez pressé. Pour bien que vous compreniez, si vous aviez oublié le pouvoir que vous venez juste de récupérer, on sait pas. Hein. Ouais, j'ai pas envie d'examiner. On speedrun le jeu. Ouais, c'est le début, en fait, le début, je trouve il est un peu poussif quand même. En fait, ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est qu'il est un peu trop copié-collé de Breath of the Wild. Hein. Et pour les joueurs, j'imagine quand même la tannée de tous ceux qui se sont dit « Hey, j'ai une bonne idée, je vais refaire Breath of the Wild avant Tears of Kingdom. » Oui, vas-y, on te regarde. Vas-y, tu vas voir. T'as l'impression que c'est pas du tout le même jeu. Ah, on répare un petit peu l'épée, c'est ça? C'est comme ce truc que tu dois examiner en sachant pertinemment qu'un gros monstre va arriver, ouais. Pff. Bon, espérons que ça va s'améliorer, mais c'est vrai que pour le moment...
surtout, c'est des petits détails, mais qui sont un peu pénibles. Par exemple, tes constructions qui disparaissent. Putain, je trouve ça assez ridicule, en fait. Parce que du coup, je me dis, mais pourquoi avoir fait la pub de ça si c'est pour les voir disparaître 5 minutes après? Il n'y a pas de persistance, en fait, vraiment, de ce monde. Un jour, petit couteau deviendra grand. Bon, par contre, garde-la, hein. De toute façon, elle nous servait à rien, nous. Désolé, le jeu a un vrai problème de mixage. Il se met à balancer la max d'un seul coup. Link. Link. Je reconnais ça. Je reconnais. Il y a une tour de communication, ça. Ah, c'est le château d'Hyrule. Retour en Hyrule. Oh là là, attends, mais... j'ai le vertige. J'ai peur. On fait quoi là si je saute pas là? Bon bah quand il faut y aller. Vous êtes sûr que je vais pas quand même ramasser lamentablement la gueule là hein? Je vais peut-être passer par là, non? Il y a peut-être un petit cours d'eau dessous. Tout, tout, tout. Je vais essayer de tomber dans l'eau, hein. Je vous promets rien. Tout, tout, tout. Alors, je vois pas si je suis au-dessus, hein, tout me rassure. Hein. Alors, je vais accélérer un peu quand même. Oh, je suis pas mal là. Enfin, je suis pas mal, je dis ça, mais le vent il me ramène. Non, c'est bon ça. Oh putain! Putain, j'ai touché juste la bordure à la fin. C'est une catastrophe. Le jeu est une catastrophe, en fait, parce que cette face-là te tue, alors que c'est une phase... En fait, tu vois pas où t'es. Donc, tu peux pas comprendre qu'en fait, il faut maintenir R jusqu'au bout, parce que le jeu te le dit pas, en fait. Enfin, c'est débile. C'est débile. Mais sérieux, les gars, vous pensez que ça va intéresser qui, ces phases-là, là? Vous mourrez bêtement parce que le jeu est mal foutu. Parce que ça, c'est pas intéressant, clairement, c'est pas... C'est juste qu'il faut savoir qu'en effet, bah, faut maintenir R parce que sinon, le vent te ramène, quoi. Mais c'est complètement idiot. On est d'accord que c'est juste idiot, en fait. C'est dingue que ça soit aussi débile. Je vais peut-être pas sauter au bon endroit, hein. Mais en fait, tu sais pas trop où t'es, là, tu vois. Et ça m'a juste ramené au bout à la fin. Ah, c'est passionnant ces phases-là encore. Hein. Grande idée. Hein. Bon, là, c'est bon, non? Je vais quand même pas me réussir à me prendre un rocher dans la gueule. S'il vous plaît. Mais bien, là. Merci. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce truc nul? Puis alors, merci, hein, mais tomber pendant des heures, heureusement qu'il y a le bouton R, mais c'est... Bah, enfin, bon, voilà, ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord. Hein. Alors, attends, moi j'avais vu une tour, mais que j'ai déjà perdu de vue. Je pense que c'est parce que j'ai pas chuté du bon endroit que je suis mort lamentablement. Ah, c'est peut-être ça que j'avais vu, non? Bon, on peut tenter d'aller faire ça, c'est pas très loin. Ah oui, non, c'est vrai, le jeu n'aime pas ça. Oh là là, oh putain, mais le jeu a un vrai souci de... Genre, t'appuies sur une touche, ouais, c'est jamais la bonne, en fait. Il y a un truc là-bas aussi, c'est quoi? Bon, bah, faudra aller faire ça aussi. Donc, je vais le marquer tant que j'y suis. Hop! Voilà.
Et on n'avait pas vu une tour de communication, là. C'est ça, non? Ouais, par contre, tour de communication à côté du château d'Hyrule... oh là, ah, c'est pareil, il y a un truc, là. Hein. Bon, je vais le marquer, hein, mais j'y crois pas bien. Alors, l'avantage, c'est que moi, je me souviens absolument pas de la carte. Bon, en vrai, j'aurais pas besoin de les marquer. Hein. Je l'ai marqué, mais ça sert à rien. Celui-là, il a l'air d'avoir du volcan. Ça sert à rien parce qu'on les voit, en fait. Tout doudou. Ah, il y a de la petite fumée là-bas. On va aller là-bas, ça m'a l'air bien. Par contre, ça va me prendre des plombes. Hein. Et en plus, j'arrive la nuit. Ça veut dire que je vais me faire alpaguer par je sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont conservé... Ah non, le renard. Non, je ne tue pas le renard. Est-ce qu'ils ont conservé les relous ninjas, là? Parce que je peux pas me... Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est... Est-ce que je pourrais porter un truc sur lequel je mets une fleur de Lumos, là? Ah, c'est le... D'accord, c'est le truc de cheval. Oh, je suis pas très loin. C'est le ranch, là. C'est vrai que le clip où je me prends le pont, lamentablement... Mais j'ai pas dû sauter du bon côté, quoi. Mais alors, le truc qui m'a ramené au dernier moment contre le pont, alors que je pensais que je passais, je l'ai bien vécu. Hein. Ça va être un grand moment, les phases aériennes, si c'était pour faire ça. Hein. Autant me donner un parachute, moi. Oh bah ça va pour moi, y a pas l'air d'avoir trop d'emmerdement. On aura le temps, à mon avis, d'avoir gagné le ranch, j'espère. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est les trucs qui explosent, là, non? Truc de feu, ça. Truc de feu, ça. Bon, après, sinon, il y a cette solution pour faire un feu. Hein. Je plante une flèche dans le sol et je fous le feu à la forêt. Attends, c'est des... Attends, ils sont peut-être belliqueux, là. Ah, il y a toujours le chien. Ah, il y a toujours le chien. Attends, est-ce que j'ai une pomme pour le chien? Ah, peut-être qu'il veut pas une pomme, hein. J'ai pas quelque chose de mieux pour le chien? Je vais pas lui donner un piment. Bon, je suis désolé, chien, j'ai qu'une pomme, là. Je te demanderai mieux la prochaine fois. Oh, il s'en fout de la pomme. Non, il va y aller. Ah. Est-ce qu'il nous suit, après? Ah, il nous suit toujours. Il trouvait des trucs avant, non? De temps en temps, il pouvait nous trouver des trucs, je crois. Ah, neuf. Hop. Petit œuf piqué, comme ça. Ah bah, il est déjà parti. Je protégerai ma femme. Faisons le point sur la situation. L'épée légendaire capable de terrasser n'importe quel monstre... Oui, je sais qu'on peut pas pète le dog, ouais. Je sais. Mais on pouvait dans le 1? Je me souvenais pas de ça. Je me souvenais que tu lui donnais à bouffer, que de temps en temps il allait chercher des trucs. Enfin, il pouvait t'aider à trouver des trucs ensevelis, je crois, ou je sais plus ce qu'il faisait. Capable de terrasser n'importe quel monstre, se trouverait quelque part dans le royaume. Et si on se fie aux rumeurs... Oui, c'est ça, on pouvait pas dans le 1, on pouvait juste lui filer de la bouffe. Plus précisément, dans une forêt nommée Bois... Bois interdit, comme dans Bloodborne. Je t'avais pas vu, ça fait longtemps que tu es là. Mais attends, est-ce que tu aurais entendu? L'épée légendaire, effectivement. Bon, tu as tout entendu, alors inutile de faire des cachotteries. Après tout, seul l'être élu pourra manier l'épée légendaire. Ça ne risque rien, l'élu ne serait pas du genre... à épier, non, il serait plutôt du genre fiable, droit et généreux, honnête. Un peu comme moi, finalement. Mais ma tâche ne sera pas aisée. Le bois, quelque chose, est encore loin et ma femme m'attend toujours. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois trouver l'épée légendaire et rejoindre ma femme aux îles, au relais du lac. Je ne me le pardonnerai jamais si il lui arrivait quelque chose. Bon, là, il me dit la même chose. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je me souviens pas du tout de la map. Donc, quand il me parle le relais du lac, je sais même plus où il est. Bon, ça, c'est les canassons. Là, on peut se faire des recettes. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un petit bâton, non? Ah, c'est une torche. Très bien. Ça nous servira. Ouais, ici. Ah, Terry. Je m'appelle Terry.
Et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est la marque de fabrique qui, malgré ses temps mouvementés, j'hésite pas à voyager par mons et par vos pour vous, mes chers clients. Mes articles sont des insectes les plus variés et indispensables aux grands baroudeurs. Toujours un prix correct. Ah, j'ai pas de rubis pour le moment. Ah, j'ai pierre précieuse par contre. Ça. Qu'est-ce qu'il a acheté? Des flèches. Ouais. Des grenouilles. Bon, elle a pas des choses ouf, hein. On va pas dépasser. On va pas dépenser, hein. Pour le moment, ça va aller. On aura mieux acheté, je pense. Vous êtes perdu? Je peux peut-être vous aider. Je pense que la meilleure chose à faire serait de vous diriger vers le fort de Guay qui se trouve au sud du château d'Hyrule. Ils ont installé une immense tour, vous n'aurez aucun mal à la voir de loin. Par contre, je vous recommande la plus grande prudence sur la route, les monstres rôdent. Oui, bon, de toute façon, déjà, on va pas faire ça de nuit, hein. C'est quoi ces trucs rouges, là? Ah putain, la lune rouge de merde! Oh, on n'est pas arrivé, c'est déjà... Attends, il y a une recette sur le mur. Bon, de toute façon, on s'en fout. On a tapé personne. Astre teinté de la couleur du sang. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la grande guerre ancestrale, ils repartent à la conquête de ces terres. Bon, ça va, ça c'est toujours là, hein, soyez rassurés. Ça, alors attends, il y a une petite recette là sur le mur. Ah, on peut pas la... C'est du crabe avec je sais pas quoi. En cours de préparation, ne pas toucher. D'accord, je touche pas. Bon alors attends, il est quelle heure là? Minuit, ok, on va se faire un peu de bouffe. Enfin, on doit pas avoir grand chose, hein. On peut faire quoi? Un peu de poisson. On peut faire un peu de poisson. On a une recette enduro, ouais, on a juste ça avec de la volaille. Si on met que des champignons enduro, ça fait quoi déjà? Je me souviens plus. Est-ce qu'on va manquer d'endurance au début, hein? Ça va toujours être le problème. Pour grimper et compagnie. Et les champis célestes, on a trouvé une recette avec, on a quoi? Ouais, brochette de champis, avec ça, ça met 3 cœurs, bah, c'est pas mal ça, tiens, on va faire ça. On va s'en faire quelques-uns. Hop! Ok, bon. Ah mais attends, on peut se construire... Ah putain, on peut se construire une carriole, là. Mais qu'est-ce qu'on aurait besoin de transporter pour avoir besoin d'une carriole, transporter nos constructions? Ah, des tomates. Tomates d'Hyrule. Ah, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on chasse un peu aussi, parce que la bouffe, hein, on en a pas à l'île céleste en termes de bouffe. Bon, il y en a un peu, mais c'était... Ça, c'est vrai que c'est des trucs pas très, toujours pas très passionnants. Hein. Attends, on va faire un poisson avec avec une tomate, là. Non, ça, c'est une pomme, ça. Alors, ça fait quoi, ça? Oh, bouillabaisse! Bon, c'est un peu too much. Par contre, bouillabaisse, on n'a pas trop besoin tout de suite. On va pas insister, ça. Un poisson avec une tomate, c'est de bouillabaisse, hein, chez eux. Débarras contient des matériaux de construction. Servez-vous si vous en avez besoin et construire la maison de vos rêves. Demandez à Groseille et Associés. Ok. Mais tu peux te faire... Attends, mais ça sert à rien, de toute façon la construction elle va disparaître. Ça sert à rien que je me fasse chier à faire quoi que ce soit, de toute façon. Bon, attends, déjà on va se remettre le matin. Ouais, le truc le plus logique, ça serait débloquer la tour de communication, mais vu que déjà il a commencé à nous dire que c'était la merde, il a eu son journal, tranquille, hein, il se croit sur ses chiottes.
Il vend la même chose le jour, lui, hein. C'est toujours la même merde, ok. Bon, allez. On va aller faire... ce temple, enfin ce sanctuaire. Alors, je sais jamais comment on doit les appeler officiellement. Ça, ça n'a pas changé. Ouah, wow, attends, il y a de la bestiasse. Attention, tire lobé. Attends, merde, je... il est où? D'accord. Ça, je vois rien. J'ai vraiment pris le meilleur angle. Estimation pifomètre. Il est où? Il a disparu? Oh, putain, il bouge. Bah, il bouge aussi, là. Pff, sérieusement, déjà qu'on a dû... déjà... putain, mais les herbes, c'est l'enfer, là. Ce bruit. Bon, désolé, mais il me fallait un peu de volaille. Bon. Attends, là-bas, il y a un truc. Allez. Petite plante radieuse. Hop. Je prends un autre fruit de feu. Tac, 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 des piments. Ah, des piments, il y en a direct à côté ici? Ok. Je crois que les piments, on les trouvait vraiment qu'à certains endroits, je me souviens pas qu'on les trouvait ici. Bon, alors attends. Allez, c'est parti, go. Un petit sanctuaire. Allons nous faire laver par le sanctuaire. Il y aura peut-être les 12 chevaliers d'or. Trouver l'équilibre, ça, putain, ça commence mal. Oh là là, rondin de l'enfer. Donc il faut que je place le rondin pour monter. Alors attends, on essaie de le prendre par là. Alors attends, ça va être... je sens que ça va être l'enfer encore. Hein. Bon, essaie de toucher le sol déjà pour commencer. Ah, arrête de t'envoler. Je sais pas pourquoi il a tendance à s'envoler. Ça va. On a vu pire. Attends, est-ce que j'arrive à grimper là-dessus? Ah, ok. Ah! Alors là, ça se complique, là. Ouais. On va voir comment c'est foutu, là. D'accord... que je vais arriver à le caler sur... par contre j'ai mal pris, attends, non, ça peut pas aller comme ça. Ah ouais. D'accord. Je pensais pas que j'arrivais à le placer du premier coup. Hein. Ta 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 ta. Oui. J'ai encore pris du mauvais côté, c'est pas possible. Bon attends, là ça passe là comme ça, non? Alors par contre, il doit y avoir un truc là-haut. Hein. Ah, j'avais peut-être pas besoin de le remettre. Est-ce que... ça me sortir un fouet, moi. Allez, on se colle. Non, prends-le là. Non.
ça va pas tenir, ça. Vu qu'elle est là. Oh, si, ça tient. Par contre, j'ai jamais réussi à grimper dessus, là, si. C'est un peu raide, ce que je me suis mis, là. Bon, c'est pas grave. Il y a rien. Il y a rien, sérieux? Ah, il y a vraiment rien, en plus. Là, je me suis bien fait troller. Ah ouais, il y a rien. D'accord. Très bien. Ça me fait des dégâts, ça? Non, ça va. Alors, attends. Bon, ça va être raide comme je sais pas quoi, ça. Attention, les installations qui ressemblent à rien. Ici. Je sais pas du tout ce que je joue. Je sais pas comment il fait pour sortir de l'eau sans glisser sur le bois. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des ventilateurs? Y'a pas de coffre là-bas non plus. Ah oui, d'accord, faut faire un petit... Ah, il est là-bas le coffre. D'accord. Il faut réussir à aller là-bas avant. Y a deux ventilateurs. Alors attends, fais voir. On est d'accord qu'il y a rien là-haut, hein, je verrai. Parce que le truc a tendance à être très instable. Alors attends, si on a à peu près compris le jeu... Tac. Tac. Il a tendance à en vouloir 3 de base. 3 et 1 de chaque côté, ça devrait le faire, non? Il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi il m'a mis autant de morceaux de bois? Il pense que je vais pas pouvoir revenir en arrière avec un seul radeau? Attends, merde. Ouais, c'est la merde, là. Je sais pas comment je me suis placé, mais là, il a pas envie. Oh là. Oh là. Attends. On va le reprendre, parce que là, c'est la merde. Là. Non, 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 non. Mais pourquoi tu te... Voilà. Parce que moi, j'y aurais été avec un seul, mais... Non, attends, il est dans quel sens, là? Faut que je le mette dans l'autre sens. Hop, là, là, il est pas mal. Tac, 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 tac. Ah, est-ce que je vais réussir à aller en biais, en fait? C'est ça, le vrai problème. Parce que là, il va partir droit, mon merdier, là. À part si je le mets peut-être déjà en biais. Il est comment, là? Ah, pas mal, là, non? Ah, il avance pas là-dessus. Ok. Alors attends. Pourquoi ça utilise pas la batterie d'ailleurs ici? Ça compte pas? Attends, si je le mets en travers. Travers sans tomber dans l'eau, c'est pas facile. Arrête de tourner. Ah putain de merde, de truc qui a tourné à la con. Faut que j'arrive à monter plus vite. Voilà, ne tourne pas, ne tourne pas. Vas-y, démarre. On est parti, là. Ouais. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Et là. Attends, par contre, calme-toi. Calme-toi, faut repartir. Calme-toi. Ah merde. Ah merde. Accident du travail, j'ai pété la poutre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis plusieurs morceaux de bois. Bouclier à épines. Ah, par contre, quand tu ouvres un coffre, tu peux changer. Bah, change-moi cette merde, là. Échanger. Mais reviens là. Ah bah attends, il va peut-être y aller tout seul, non? Avec le vent, là.
Parce que là, on sait que ça va être la merde. Hein. Ah, il va y aller doucement, là. Attends, je vais essayer de l'aider. Et dans quel sens, le merdier? Là, je vois rien. Je repars en arrière, parce que je vais chercher un morceau de bois, quand même. Quoique là, il fonctionne à peu près, hein. Alors que tout à l'heure, il me faisait de la merde infinie, hein. On s'en rappelle, hein. Il y a des fois, c'est plus facile, c'est plus difficile que ça en a l'air. Non, venez, s'il te plaît. Alors maintenant, ah, je l'ai encore mal saisi. D'accord, très bien. Hop. Bon, il n'y avait aucune difficulté. Allez, une lueur là, récupérée. Ça, c'est dans la poche. Ok. Donc ça, c'est fait. Est-ce que ça m'a enlevé le... Oui, ça a dû m'enlever le marqueur, normalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, là? Ok, là, on peut se faire un petit bateau. Ouais, ça, c'est... Honnêtement, ça casse un peu le jeu, hein, parce que, en fait, j'imaginais pas que le... Pourtant, c'est vrai qu'il l'avait montré, mais que c'était autant scripté, les constructions. C'est-à-dire que, genre, ah, bah attends, là, t'as besoin d'un bateau, on va mettre une voile et deux morceaux de bois, tu sais. Là-bas, ça m'a l'air louche, par contre. Ça a l'air d'être un bon camp bien vénère. Là-bas, c'est le château. C'est cette petite baraque, là. Oula, là-bas, il y a un mec musclé, je le vois. Ils vont peut-être pas me repérer d'ici, si. Qu'est-ce que tu peux te construire? Un char d'assaut? Champi d'Hyrule, ces champis typiques des forêts d'Hyrule poussent souvent près des arbres, ils restaurent l'énergie vitale une fois consommés. Bon, c'est un champi céleste, quoi. Façon Hyrule. Attends, ça, tu peux pas t'en saisir, ça, après, ils ont mis ça. Là. Ok, donc là, tu peux te faire un truc... on sait pas. Tu peux te faire un petit fort. Un petit char fortifié. What? Qu'est-ce que c'est con, là? Qu'est-ce que c'est que ça? On fait attaquer par un arbre, maintenant? C'est nouveau, ça, non? On se faisait attaquer par des arbres, hein? Il y a un gourou là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces armes à la con? Ouah, gourdin solide! Attends, je vais balancer ma... Qu'est-ce que c'est, ça? Fais le korogu. Bon, attends, ça, faut que je balance, de toute façon, ça va casser. Hop!
Petit gourdinche. Ok. Bon, y a de l'explosif. Il y a complètement de l'explosif. Alors par contre, les visées, ça va être toujours une horreur. Qu'est-ce qu'il y a autour? Attends, par contre, je vais peut-être enlever mon gourdin. Je veux rejoindre mon ami. Oh là là là, mais c'est... Ils les ont foutus partout comme ça, là, les courgouches. Il est où ton pote? Ah, ils sont partout, hein. Attends, c'est où, là? Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. D'accord. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je veux plus bouger. On a compris, on a compris. Est-ce que je peux directement le porter et y aller comme ça, là? Bon, genre, c'est la méthode la plus chiante, mais... Le problème, c'est qu'à mon avis, il y a peut-être un petit comité d'accueil. Ils sont où, les signaux de fumée, là? Ça m'inquiète, il y a une sauvegarde, d'ailleurs. Pourquoi il y a une sauvegarde? En même temps, il est pas si loin que ça, hein, son pote, hein. Bon, on sait, on devrait faire des super édifices pour ramener là-bas, on a autre chose à foutre. Pour ne coller aucune à un cheval. Oh, en même temps, il est juste à côté. J'aurais pris plus de temps. Attends, je dis ça, mais en fait, non, il est super loin. Ah, il est dans la flotte, surtout. Bon, attends, je vais te poser là, mon gars. Vas-y, attends, on va essayer. Ah oui, il y a un peu de monde, attends, attends. Ouais, t'inquiète. J'espère qu'il le ramène pas là-bas, en fait. Parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un là, non? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ouais. C'est un copain, ça. J'ai bien envie de m'envoyer une petite flèche de feu dans les fesses. Une petite flèche pimentée. Alors, attends, par contre, c'est rangé n'importe comment. Ouais, je peux remonter une île céleste. Mais ça va. Je suis en train de foutre le feu à la forêt, moi. J'ai jamais touché le gars. Eh, viens, viens. Oh, celle-là, il l'a prise en pleine poire. Ah, ouais, je pourrais retourner à une île céleste là. Il y a un rocher qui est carrément tombé direct dans mon gars. Ah, putain, il y a des pommes. Ah, il y a trop de choses à faire, ça commence. C'est l'enfer. Par contre, oui. C'est toujours autant la merde hein, pour la récupérer les pommes. Hein. Bon, je vais abattre l'arbre, c'est ça qui... Pomme d'or. Bon, faut abattre l'arbre, quoi, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah, c'est déjà la nuit? Oh. D'accord, lui il est là-bas, maintenant que j'ai dégagé, je peux peut-être y aller, non? Attends, est-ce que l'autre, il est reparti ou il est toujours là? Ça se trouve, ils me l'ont remis là-bas, hein. Tu peux le faire que d'une traite, ces quêtes. Hein. Non, ça va, il est toujours là, quand même. Parce que je me serais bien attendu qu'il me l'ait remis là-bas. Ah! Casse-toi. Ah, par contre, j'ai une arme à la con, là, pour le moment. Attends, je vais pas utiliser ça. Bon, je vais prendre ça, j'ai pas grand-chose, hein. Oui, oui, bah attends, je vais te... Voilà. Par contre, je sais pas comment je vais faire. Alors, attends. Parce que si je mets... Attends, casse-toi, toi. Attends, ça donne quelque chose, là, si je fais ça? Je suis peut-être pas le... peut-être pas hyper bien parti pour faire ça. Bon, je sens que ça marche. Hein. C'est bizarre ce que je suis en train de faire. Hein. Mais moi j'ai des doutes.
D'accord. Je sais pas où je suis en train de mettre ça. Je vois pas où ça colle là. Ah oui, ça colle n'importe comment. Oh là là, quel horreur. Alors on essaye de faire l'inverse quoi. D'abord mettre ça et après, parce que là le jeu il va juste pas y arriver, je pense. Voilà, comme ça il y arrive. Ouais, en fait, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a quand même un ordre de construction un peu à connaître quand tu fais les trucs, parce que le jeu est pas non plus hyper fait pour, quoi. Merde. Non. Hop, non, c'est pas le même truc. Tac, 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 tac. Non, moins long, 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 calme. Non, c'était bien, là. Là, c'était bien. Par contre, après, je vais être emmerdé parce que, voilà, pour saisir ça et le mettre droit, ça va être juste l'enfer. Il va me le coller en travers. Attends, peut-être si j'essaye de le verticaliser, on ne sait pas comment, parce que c'est des positions vraisemblables. Attends, si je le mets comme ça... Peut-être qu'on a une chance. Oui! Ça roule presque. Dans le mauvais sens. Bon, viens là-dedans, toi. Tac. Tac, on te colle à ça. Parfait. Bon, maintenant... On va essayer que ça aille directement sur ton pote. En vrai, il est pas si loin que ça. Je peux y aller. Parce que fais voir maintenant, est-ce que je peux l'attacher... Attends, il y a des... Je vais chercher là. Est-ce que je peux me l'attacher aux fesses et genre, je vais le tirer le machin là. Hop, quelques fruits de feu. Ah oui, ils sont toujours là, les relous. Évidemment qu'ils sont toujours là. Évidemment, c'est la merde. Oh là là, puis ils courent 20 fois plus vite que moi. Ah, oh, ça va être chiant. Ah là 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 là, et puis stamina infini, c'est vrai. Et ils meurent pas. Et ils sont plus rapides que moi. Oh putain, c'est le cata ça. Et je suis mort. Putain, les dégâts qu'ils font et la lenteur de Link est toujours aussi désagréable. Qu'est-ce que c'est pas un jeu fait pour les combats? Ça, je le maintiendrai à jamais. Le système de combat, faut le réviser complètement parce que même si tu peux avoir des armes plus rapides, il faut loquer l'adversaire parce que c'est pas prévu pour, parce qu'ils arrivent pas à se débarrasser des vieux systèmes Zelda qui étaient pas bons en 3D. Hein. C'est pas des jeux... Malheureusement, c'est pas des bons jeux, en fait, pour les combats, les Zelda. Ils sont jamais arrivés, en fait. Qu'on ait quelque chose de potable, c'est jamais arrivé. Et ce jeu, bah, il leur touche pas, en fait. Il le laisse comme ça et le système de l'ancien était pété et bah, ça continue. J'aime pas cet esprit, en fait, de pouvoir se battre qu'en loquant les adversaires. Je trouve ça complètement nul, en fait. Ça montre bien la faiblesse, là-dessus, du jeu. Ouais, bon, bah, là-bas, il y a un gars. Bon, alors, du coup, le Korogu, on a perdu du temps pour rien. J'aurais mieux fait de l'amener en courant, en fait, je pense, hein. Ça aurait été plus utile. Ça, c'est Elden Ring, c'est l'arbre doré, là. Alors par contre, le jeu te remet, mais n'importe où, un vrai problème de save state dans le jeu. Ils sont pas bonnes du tout les saves. Arrête de me mettre n'importe où, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable en 2023 de me remettre là où je suis mort. En fait, ça c'est un truc qui... Pour un jeu comme ça, c'est absurde. Alors attends, ça c'est l'édifice, ouais... D'accord, il m'a mis là où il a fait la dernière sauvegarde dans le pont. Et c'est ce que je dis, ce que je trouve complètement idiot, c'est qu'il faudrait faire un pas, une sauvegarde, un pas, une sauvegarde, un pas, une sauvegarde. C'est pas possible en 2023, en fait, sur un jeu comme ça. C'est fini, ça. C'est pas... Le jeu, là, pour le coup, moi, je trouve qu'il est pas du tout dans l'air de son temps. Il est vraiment vieillot sur certains aspects. Là, ouais, il y a que des camps pas intéressants... Hmm.
Ça, c'est quoi? C'est le pont 12 juin, d'accord. C'est juste que je le vois de l'autre côté. Ah, il y a un... D'accord, il y a un sanctuaire en hauteur devant moi. Il y a un mec qui glande, là. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fout? Non, une poutre. Désolé de vous avoir laissé tomber, patron, c'est impardonnable. Tout ça parce que monsieur m'adresse la parole, comme ça, sans prévenir. Ah bah, si on peut plus parler aux gens. Un jeu d'asocial. Ce panneau est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron, Groseille. Et il est inacceptable qu'il se retrouve à terre. Groseille, c'est pas les mecs qui fabriquent des trucs, là? Son Altesse, la princesse Zelda, en personne, lui a confié la charge d'installer des débarras comme celui-ci aux quatre coins d'Hyrule. Il est plus ou moins... Il n'est ni plus ni moins que le visage de la reconstruction du royaume. C'est également le fondateur de Groseille et Associés. Et toi, tu fais quoi? Je fais quoi? Je suis en train de parler de mon glorieux patron, Groseille. Enfin, c'est Groseilly, hein, mais le nom est tellement Groseillier. Enfin, je sais pas, le nom est à chier. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu nous sortir, là aussi, encore, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imagine qu'il y avait un jeu de mots. Alors, je sais pas s'il y avait un jeu de mots avec un fruit, hein, mais du coup, en français, c'est... Je sais pas à quoi ça ressemble en japonais, mais... Tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais. Parce que même s'il y a un jeu de mots avec construction ou compagnie, je le vois pas, là, comme ça. Je reste généralement discret sur mon activité pour éviter de nourrir l'acrimonie du premier jaloux venu. Mais puisque tu insistes, sache que je suis en mission spéciale sur instruction célèbre du célèbre Groseille. Ah, parce que Groseille et Boulier, Groseillier et Boulier... Boulier, Bouli, Groseilly et Bouli. Je sais pas ce que... Ouais, je sais pas si c'est censé... Ma mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité, d'accord? Mais tu t'en doutes, ce ne sont pas que de simples pancartes. Voilà. Il s'agit de panneaux comme celui-ci à l'effigie du Grand Groseille. Il ne doit tomber sous aucun prétexte, c'est pourquoi je tiens mes propres bras, ne craignez rien, patron, je vous tiens fermement. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Lâche-le pour voir. Bon, du coup, faut qu'on... Et tu peux pas le fixer, son truc, là, pour l'aider? Parce que genre, si... Attends, je peux le prendre, son panneau, là? Ah, tu peux pas le saisir. Ok. Donc j'imagine qu'il faut faire un truc particulier pour qu'il accepte que tu le construises. Enfin, c'est un jeu où tu peux saisir hein, tout ce qui est autour de toi en bois, mais ça tu peux pas le saisir. Enfin bref, bref. Voilà, c'est le genre de truc que je comprends pas. Je trouve ça débile. J'imagine qu'il y a une quête, ouais, il doit falloir... Ça va être un truc hyper scripté, mais je sais pas. Pas, ou alors faut construire une pancarte identique à ça qui tienne. Je comprends pas le délire là. Ah, attends, il y a un truc derrière, non? Ah non, c'est juste, je peux pas le, de toute façon, non, je peux pas le détacher. Ah, parce que je peux pas coller un truc après sa pancarte là. Ah, je sais pas ce qu'ils veulent, parce que je pourrais lui faire une pancarte, mais ça va pas du tout ressembler à ce qu'il fait, là. Si je fais une pancarte un peu zarbi. Bon, alors ça va être très dur, d'ailleurs. Ça va pas être droit, hein. Ah, parce que là, moi, ça va tenir, hein. Ah bah non. C'est comme toi, ça tient pas. C'est de la merde. Je confirme, c'est de la merde. En même temps, tu t'es mis à l'endroit aussi pire. Attends. Non mais t'inquiète. C'est que c'est la merde pour relever un objet. Oh là là, quelle horreur pour relever un objet. Ah, il faut le ramener vers soi, en fait. Ah bah voilà. Tac, ouais, moi je te colle deux trucs, là.
Ah, là, je te fais une pancarte. Ah putain, il y a encore un truc qui tombe. Mais ça tombe tout le temps, ces machins, là. Il va pas kiffer si je lui envoie le truc dans la gueule. Alors attends, ça, ça tourne comme ça. Ça, ça tourne comme ça. Voilà, on y est là, on y est là. Alors, je te mets la pancarte, là, comme ça. Je te colle ça, et hop. Voilà, regarde, il est super ma pancarte, là. Attends, casse-toi. Voilà, passez-moi les inscriptions. Voilà, regardez, nickel. Ah, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Faut réussir à lui caler un truc qui fait que ça tienne. J'avais pas vu qu'il y avait un petit trou, là. Mais comment ? Parce que là, je peux pas scier les planches, hein. J'ai rien qui passe comme ça, ça c'est trop haut. Ça... ça, ça va jamais tenir, ouais. Alors, faut que je les fixe sur un morceau de bois et... What ? Qu'est-ce que c'est que... ça s'est collé, d'accord. Attends, et si je l'incline ? Parce qu'elle a tendance à tomber droit devant, la truc... Non, mais ça va jamais marcher, ça. Non, mais arrête d'aller te coller au truc derrière, tu m'en fous. Oh là là, il va pas arrêter de me faire chier. Attends, je vais enlever ça, parce qu'il va pas arrêter. Le jeu est un peu débile par moment. Il veut coller des trucs qui sont super loin, je sais pas pourquoi. Elle était super, ma pancarte, hein. Bah, elle se casse la gueule, tiens. Hop, voilà, dégage. Ouais, parce que ça va tomber devant, même si je mets ça, ça va continuer à se péter la gueule. Attends, là, ça va le coller, là, non ? Mais comment ça a tenu tout à l'heure, d'ailleurs ? C'est bizarre, ça n'avait aucune raison de tenir. Ouais, ou alors... ou alors... attends. Ah putain, mais c'est chiant, il n'y a pas de... En plus, c'est bien de la merde là où ils l'ont foutu. Évidemment, tu peux pas placer une... Ah, est-ce que là, c'est pas plat ? Si, c'est à peu près plat. C'est parce que d'accord, il a peut-être réussi à le coller à un truc en haut tout à l'heure. Mais je sais pas comment il a fait pour le faire tenir d'ailleurs. Ah, ça me. Ouh, ça va se casser la gueule. Attends. Ok, je comprends pourquoi ils ont dessiné les axes, là. Ah, par contre, faut que j'arrive à le caler à peu près... droit. Oula. Ça a jamais marché, ça, si ? Incroyable cette installation de merde. Non mais qui ferait ça? T'imagines le nombre de bois qu'il faut utiliser C'est pas économique, hein, des pancartes avec eux. Alors que tu ferais une bonne pancarte dès le départ. Passez-moi celle-là que je la démonte. Je vais vous offrir un truc qui tienne, moi. Elle sera plus grosse en plus. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Parce que ça a aucun sens, là, ce qu'on fait. Hein. Sérieusement, tu t'imagines les mecs qui construisent des maisons là, t'avais jamais envie d'habiter dedans, hein. Cassez-vous, hein. Attends, what?
Mais tout ça pour ça, au final ? Ah oui, parce que du coup, comme il a une cale... Comme il a une cale, il peut finir de la fixer. En fait, le problème, c'est qu'il était seul. Hein. C'est juste parce qu'il a pas d'amis, en vrai. Oh, il m'a donné 20 rubis. Il m'apprend à faire des boulettes de viande. Enfin, il me donne des boulettes de viande. Bon pour une nuit gratuite. Ah. Eh ben, dis-donc. T'as la planche qui tombe derrière, on sait pas pourquoi. Bon, ok. Mais c'est vrai que c'est bizarre, t'as une construction, ça aurait été marrant qu'ils te demandent de la reconstruire, la plateforme. Enfin, ça, là, que ça puisse se démonter et de faire un truc qui tienne. Faut dire, regarde, ça peut tenir. Bah non, c'est trop, ça. Pour eux, c'est trop. Ça aurait pu être drôle. Ok, alors attends, moi, c'est là-bas. Je me souviens déjà plus le... Ah mais oui, mais j'ai pas la map, de toute façon. Ouais, en fait, en vrai, il faudrait commencer par... Par faire la tour de communication. Attends, la tour de communication, c'est celle qui est là-bas. Elle est là-bas. Non, c'en est une autre, ça. Attends, j'ai marqué quoi, moi? Parce que je me suis tellement éloigné que je sais même plus... Attends, le problème, c'est qu'il faudrait que... Bon, de toute façon, si tu meurs, ils ont dû garder le truc. Je vais essayer de pas tomber. J'ai déjà essayé... Non, casse-toi. Je vais essayer déjà de rester sur la route. Pour éviter les emmerdes. Faut que je prenne une autre arme aussi. Tiens, entre parenthèses. Ils ont dû me laisser mon arme cassée, là. Je vais prendre ça, là, je finirai de la péter. Ça crachera un peu de feu, mec, ça va les dégager. Quoique, eux, de toute façon, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Même le feu. Le pont d'Ulule. Parce qu'il a été crowdfundé. Incroyable. Des vraies références, ici, hein. Ok, bon, on essaiera... Ah, le problème, c'est que ça, il faut s'y prendre le matin. Je pense qu'en vrai, tu t'y prends le matin... Je sais pas. Faudrait foutre un petit... Ouais, disons qu'on a peut-être pas de quoi assez fabriquer. Des petits véhicules qui vont vite. Parce que j'ai peut-être pas gaspillé... parce qu'après, j'ai un peu compris le délire. C'est-à-dire qu'il va falloir sans cesse retourner chercher de la merde sur l'île Céleste pour les ramener ici, pour faire des... Des trucs. Parce que là, t'aurais un petit véhicule. Alors, je sais plus où c'est, mais il doit être par là-bas, là, son collègue. Avec un petit véhicule propulsé le jour. Je pense que t'as largement de quoi l'amener. Hein. Ah, parce que le vrai problème, c'est qu'il y a des ennemis. C'est juste ça qui est chiant. Il faudrait faire une petite charrette. Mais alors, pareil, il faut aller au moins jusqu'à l'endroit pour lui faire la petite charrette. Parce que là, t'as de quoi rien faire. Ouais, c'est un peu... Ou alors t'as un truc que t'as construit avant et puis t'arrives et tu le prends au passage, quoi. Ou t'as un cheval et tu le colles au cul du cheval. Mais non, tu vas pas pouvoir. Tu l'as collé une charrette, ouais. Tu fais une charrette, tu t'accroches ton cheval à la charrette et tu le colles sur la charrette. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont dû... réfléchir le truc. Comment ça se fait que j'ai 70 flèches, moi? Aveugle, non? Il est aveugle. Ouais, lui, il est complètement aveugle. Ouais, faudrait s'occuper de la tour. Bon, on fera ça demain. Ouais, il y a déjà beaucoup là. Il y a déjà beaucoup à faire. Hein. Parce que rien que nettoyer un petit peu ici. Donc, attends, ça, c'est celui qu'on a fait. Nettoyer un peu ici... Attends, il est derrière le truc de... Ouais, c'est ça, il est juste à côté. Bon, après, en vrai, pour voir quelque chose, il faudrait commencer par les tours de communication. Hein. C'est vrai que... Parce que du coup... Bon, on va se mettre là, déjà on sera bien. Le relais de la rivière. Voilà. Ça, là, on est pas mal.
Ouais, alors après, est-ce que tu reprends le matin, tu te fais une calèche? Ce qui serait intéressant de voir... Putain, mais il y a une calèche de prêtre, là? Non, je peux pas l'utiliser. Direct. Elle se déplace vite. Ouais. Faudrait voir, en fait, si quand t'as une calèche comme ça... Bah, de toute façon, elle sera tout le temps là, la calèche. Bon, elle sera pas exactement là, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps là. Tac, tu prends un cheval. Bon, par contre, il pleut, donc là, il y a plus le feu, donc là, t'es dégoûté. On verra ça demain. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain matin à partir de 9h pour Café Matin et nous continuerons, eh bien, maintenant ce qui ressemble à... Nous continuerons Breath of the Wild. Parce que si t'arrives et que t'es pas bien réveillé, tu fais pas attention vraiment au HUD, bah t'as l'impression que je suis au début de Breath of the Wild. Comme ça, ça spoil pas jusqu'ici, hein. Voilà. On peut pas dire, ça ne spoil absolument pas. Parce qu'il y a... les gens, ils craignent le spoil. Mais non, regardez, c'est bon, tout va bien. Allez, merci d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça vous aura plus diverti. Et on se retrouve demain matin. Ciao, bye bye. Et gaming, à demain matin, 9h.